Bon, eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec ce presque 30e live, j'ai envie de dire. 29, hein, c'est ça. Et comme vous le prouve ce petit symbole, j'aime bien pointer du doigt les trucs, t'as vu. Eh ben, aujourd'hui, surprise, live double événement, avec le premier et le dernier jeu. Je pense que vous avez demandé, vous avez deviné plutôt, c'est quoi les deux, hein. Salut Vue 2, bienvenue à toi, salut à tous, et comme par hasard, il n'y a pas Olex ni Tsumishi. Eh ben, c'est dommage. On va pas les attendre, hein. Je pourrais, mais bon. Oui, ça aurait dû être triple événement, avec le jeu du milieu, mais j'ai pas réussi à le télécharger. Et j'hésitais à le faire en live ou pas, du coup je le ferai en vidéo preview, la vidéo la semaine prochaine, samedi prochain. En attendant, la vidéo sur YouTube... Ouais, c'est invocation énorme. En attendant, la vidéo sur YouTube qui est disponible aujourd'hui, c'est Uncharted The Lost Legacy. Voilà. J'avais pas fait de vidéo du 4, donc là, c'est un petit peu une occasion de se rattraper, j'ai envie de dire. Allez, le temps que j'allume tout. Et puisque là, on bascule sur la PS4. Hein. Et bah... C'est quoi ce bruit? Il y a un bateau qui se dirige vers nous. Qu'est-ce que je fais? Je dois les arrêter. Allez, je baisse un petit peu. Ah ok, c'est l'ambulance. Tu montrais le moins 16, j'ai cru que t'avais deviné ma vanne, 30e live, à peu près comme vous prouve les cheveux blancs. Ah oui, la licorne. Une licorne, pas des cheveux, des chevaux, des licornes. Cheveux, chevaux. Bien, la blague. Tu l'as fait exprès, non? Donc ça, c'était dans l'histoire sans fin. Oui, licorne, c'est quand on a un bouton ici, là, la rhinocérinite, c'est ça? Allez, on basse, cheval à bascule. Attendez, d'abord, je lance le jeu. On va poursuivre. Et je vais modifier le nom du jeu sur... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je... Oh! Un patch! Une mise à jour! Ajoutée à téléchargement, là, on a vu. Pour le jeu. C'est dommage, ça, franchement. Tu assumes la vanne. Donc, aujourd'hui, on va jouer pour la 3e fois à Dead or Alive Extreme 3 Fortune. Voilà. La version free-to-play. Mais je vous en dirai plus un petit peu plus tard. En fait, j'ai considéré l'achat de la version payante. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai vite déchanté. C'est dommage, hein. Le jeu est très cher. Bon, c'est pas 200 euros, hein, mais tout de même. Voilà, Extreme 3 Fortune. Yay, et c'est parti. Quoi? Oh! Vous utilisez les fonctions réseau. Mais on s'en fout, non? Et c'est là qu'il y a coulé ma sauvegarde. Comment ça, fail to download, updated data? Ben oui, oui. Ah, mais je suis connecté avec mon vrai compte, ça va pas du tout, là. Attendez. Il faut que je change, là. Parce que là, je vais pas avoir ma sauvegarde. Tiens, c'est bizarre, d'ailleurs, qu'il puisse jouer, Oui, parce que quand j'avais fait un... J'avais joué avec mon compte Singapour, la première fois. Attendez, je vais changer, quand même. J'attends que ça baisse. J'enverrai pas ce S. Lorsque l'on rentre à la maison, alors faut voir. J'enlève hein, quand même, on sait jamais. Ah, il se pose. Voilà, c'est Abou Dibilo. Voilà. Parce que les noms de mes comptes secondaires, là, c'est assez énorme. J'en ai 4. Hein. 4 au total. Alors, normalement, est-ce que c'est bon? Oh non! Lancer l'application sans la mettre à jour, parce que là, il est à 25, hein. C'est bien qu'on puisse quand même jouer. Allez, je re... Salut Amo, bienvenue à toi. Allez, go. Bon, cette fois-ci c'est bon, c'est pas un troll. Donc pourquoi DOA X3? Ben parce que pour rattraper un petit peu le fiasco du précédent live hein, sur un jeu coquin. En fait, au nez de Chambara, c'était pas si coquin que ça, il s'est rien passé, on n'a rien vu. Donc ben là, c'est pour rattraper, quoi. C'est pour ça que je refais du... C'est un jeu qui m'a été énorme... Attendez, je mets la désynchro. Hein. 2 secondes. Oui, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment 2 secondes. J'espère que je me suis pas planté que c'est ça. Hein. Oui, il faut couper le son, Jackie. Voilà, parce que sinon je l'entends 2 fois. Je sais pas si vous l'avez entendu avec l'âge des filles. Alors, comment je vais modifier la vidéo? Ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Alors, 2,
Voilà, normalement, il va y avoir un petit saut. Ah non, c'est pas ça! Si, oui, non? Non, non, c'est pas ça, attendez. C'est pas l'image du jeu, c'est ma caméra qu'il faut modifier. C'est bizarre d'ailleurs. Microsoft Live Caméra. Donc là, il va y avoir un petit saut noir, normalement. Putain, mais qu'est-ce que. Mais il veut pas? Putain, mais c'est bizarre ça. Il veut pas faire le. Putain, mais. Il veut pas faire la désynchro. Le décalage milliseconde, là, il est. Ouais, mais non, justement, ça va pas, là. Oh là là, c'est mis à jour, putain. Plus ça va, plus c'est de la merde, bordel. Avant, j'y arrivais, maintenant, je peux plus. Tout est grisé, je peux pas. Il y a marqué synchronisation audio-vidéo. Ben ouais, mais non, justement, faut pas, là. Configurer sortie vidéo ou entrée vidéo. Non, c'est pas ça, là. Plus les mises à jour se succèdent et plus c'est de la merde, hein. Les logiciels, malheureusement. Bon, ben c'est cool, je peux pas faire de désynchro. Parce que là, normalement, ma labiale est désynchro, là, non? Oui ou non? Est-ce que vous m'entendez parler en même temps que je bouge les lèvres? Ou est-ce que ça arrive après ou avant? J'ai besoin que vous me disiez. Et non pas tissier. Alors, est-ce que c'est bon? Hein? Il n'y a pas de sauvegarde là. Oh là là, tout est pas du con. Ah ok, d'accord, j'ai pas ma sauvegarde, splendide. Pas grave, on va repartir de zéro. Prochaine fois, faudra s'en rappeler, hein, par contre. Faut appuyer deux fois sur option. Ah, après! Le son arrive après l'image, ça arrive un peu après. Le son arrive après. Bah tu vois bien que c'est pas synchro là, bordel. Alors. Du saucisson. Ça va être encore un fiasco avant. Bah, tout le monde me dit après. Ça y est, je commence à crever de chaud. C'est splendide. Aperçu audio. Je suis pas doué avant. Ouais, mais tout le monde dit après. Attends, le son arrive après l'image. Pour ça que je dis taper. Ouais, bon, c'est pas grave. On va jouer avec le décalage alors. C'est son puis image. Voilà, merci. Oui, c'est normal. C'est pas grave, on va jouer le décalage audio. Et donc, ce qui se passe à l'écran va arriver après que je dise le truc. Si par exemple on se casse la gueule, je vais dire oh! Et là, vous allez le voir que maintenant. Voilà, donc ça, c'est complètement con, mais bon. Là, par contre, ça bug. Ah bon? Allez, je retrouve pas ma sauvegarde. C'est très bizarre, je comprends pas. Pourtant, c'était bien ce compte là. Parce que la sauvegarde est. On retrouve pas la sauvegarde du. D'un compte à l'autre. T'es sûr qu'on l'a déjà vu ça? Ça me dit rien. Donc dans la version free to play, on est limité à un personnage, voilà, malheureusement. On ne peut pas faire les activités du casino. Je ne sais pas lesquelles sont. Je pense qu'il n'y a pas que du jeu du hasard, mais bon. Ah bah c'est bon. Là c'est bon. C'est parce que tu chargeais la mise à jour. Ah d'accord. Ça a fait un petit saut. Mais c'est vraiment. Attendez, je viens de penser à un truc là. Parce que, en fait, là. Ça, c'est Tengu. Non, non, c'est pas Tengu. Parce qu'il y a trois persos avec les cheveux longs et noirs. Hein, quatre même. On a vu au début avec le temps de chargement là. Would you like to? Ben oui. On va la join. Énorme le soutien-gorge avec les traces de mains. J'avais pas fait attention la première fois. Et donc, ben, avec la version payante, on a accès à tout. Et c'est surtout les personnages différents, parce qu'elles sont vraiment très différentes. Hein. Y a Marie-Rose, la blonde, là. Est-ce que je peux vous remontrer un petit peu le début? Le début, c'est le gland. Stop Rosette. Voilà, vous voyez? Ce que je vous avais dit, là, on a quatre personnages à droite, là, avec les cheveux longs et noirs. D'ailleurs, toutes les filles qui sont à droite, là, les cinq de droite, je connais pas leur nom, à part Tengu, je crois, à l'extrême à droite. Ou peut-être celle, la deuxième en partant de la gauche, avec le truc rouge, là. Et donc, Marie-Rose, à gauche, qui est la préférée de Olex. Oui, Kokoro, ça devait être elle, je crois. Après, Onoka, c'est elle qui a les plus gros boobs. Mais c'est bizarre, normalement, il est censé y avoir Elena, mais elle est blonde, et elle y est pas, là. C'est complètement con, sérieux. Donc les pros, n'hésitez pas à me le dire, hein, les connaisseurs. Ensuite, donc Kazumi, qu'on dirige ici, là.
Et ensuite Ayane avec les cheveux violets là. Allez, c'est parti. Mais non, pas full webcam. Jeu. Allez. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept, eh ben c'est un jeu Ona. Oui, je me demande si je devrais pas modifier le décalage avec le Opoge, justement, au lieu de modifier ma voix. Mais dans ce cas-là, faudrait mettre moins 2000 au lieu de plus 2000. Je sais pas. Mais là, elle y est, là, Elena, en bas à droite. En fait, ils l'ont juste oublié dans le artwork, hein, faut croire. Parce que là, on la voit clairement. Hein. Les plus gros boobs, c'est Onoka. Je sais pas si on va la voir. Pour l'instant, elle y est pas. Hein. Mission in progress. Donc oui, le problème, pourquoi je voulais pas refaire, pourquoi je voulais acheter la version complète? Parce que je me disais qu'au bout de deux fois avec la version free-to-play, une fois en version japonaise, donc on comprenait rien avec les kanji, et une fois avec la version Singapour, donc Asia, et là c'est la troisième fois, deuxième fois Asia, et ben, Kokoro Nyotengu Momiji, et t'as changé, donc je sais plus, merde. Ok. Allez, allez, on commence par ça, là. Bah, c'est un jeu où on peut faire pas mal de beach flag. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais c'est la troisième fois et pourtant, j'ai l'impression que c'est que le début. Mais c'est quoi, beach flag? C'est le truc où il faut courir, là? Ask Elena to be your partner. Donc, c'est pour les voir, hein, le partner. Ce sera moi contre une autre, voilà. Relax, ça va rien faire du tout. Easy. Beach flag? Pourquoi? Itomi. Ah ben non, c'est Itomi. Ici, là. Pourquoi beach flag, bordel? Bon. Beach volé, c'est parti. Sumi va se tirer une balle, hein. Il arrête pas de me demander de faire Extreme 3 et il y est pas. Ouais, c'est ça, c'est le beach volé. Hein. Quintos. Mais il y a plein de trucs en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait en mode Asia. Spike, qu'est-ce que c'est que ça, Spike? Salut M4, bienvenue à toi. La journée de la moule, c'est totalement ça. La course pour attraper le drapeau, merci Camille. Stato, c'est bizarre, là je choisis avec la touche croix. Donc évidemment, je ne peux pas... Elena est bien fournie aussi. Oui, je comprends pourquoi Tsumi a pas arrêté de me le réclamer. Hein. Je me souvenais pas que c'était aussi aussi glamour. Voilà, c'est ça. Et maintenant, prends sa saloperie. Oh, dans le filet, mais c'est quoi ça? Pas la peine de vous moquer, là. Oh putain, la vache. Donc moi, je reste au premier. Hein. Voilà, nickel. Oui, salut, Kankuro, bye bye, à la prochaine. Merci d'être passé. Hein. Parce que tu m'avais dit que tu devais partir, donc nickel. Mais c'est quoi? C'est des pauses, ça! Des passes, plutôt. Mais je vois pas le ballon! Mais je fais des passes! À l'ennemi! L'ennemi! Bien la toucheron! Ça, c'est pour moi! Voilà, nickel! Je crois que c'est mieux de faire comme... Il y a un sacré problème de caméra, hein! Des fois, ça nous montre plus du tout le ballon! Qu'est-ce que c'est? Oh là, on se fait laminer, c'est incroyable! C'est quoi le... Oh putain, énorme, c'est presque un string, quoi, ce qu'elle a. C'est énorme, on a eu raison de la prendre comme... comme partenaire, voilà, ne pas oublier de... Oh putain, énorme, ce sauvetage! Moi, j'ai une désynchro, hein. C'est assez chiant. Je fais que de la merde. Ah ben voilà, c'est bon, là, j'ai fait un smash, là. Qu'est-ce que... Oh putain, elles sont balèzes, heureusement qu'elles sont en mode easy, hein. Et non pas Isabella. Voilà. Mais putain, mais quoi? Mais elle rattrape tout! Ah, bien joué, putain, incroyable. Splendide. Pédobir, excellent. On se fait laminer, je sais plus c'est quoi le score complet, mais bon, le score maximum. Je lui ai volé le ballon. Je vais essayer la touche triangle. Non, ça sert à rien. Il me semblait que tout se faisait avec la touche... avec la touche croix. Oh, bien joué, le filet. Ça paraît chaud au début, mais c'est un coup à prendre. Oui, et surtout, il faut connaître les touches, j'ai envie de dire. Je me rapproche un petit peu. Oh, comme tout à l'heure, là. Match point. Donc, c'est limité à 7. Hein. Gambalimas, excellent.
et non pas la princesse des limaces. Oh putain! Donc ça veut dire faisons de notre mieux. Faisons des efforts. Je crois que ça dépend du timing en fait. Le moment où tu sautes, il faut pas sauter trop tard en fait. Ouais, match point, mais là on va y rester malheureusement. Ah, attention à ça! Putain, mais merde, elle va réussir là! Et voilà. Je le savais, je m'en doutais. Splendide. Donc je me disais qu'après deux fois la version free-to-play fait en live, je vais vous remontrer les mêmes choses. On va pas avoir grand-chose de nouveau, là. Le seul truc que j'ai pas réussi, c'est le... Bah c'est ça, déjà, faut croire. Et les photos. Derrière les photos. Tu as quand même pas tué une femme. Et là, il y a Ayane, et donc c'est Myo Tengu, ça, normalement. Je me suis renseigné un peu, hein, j'ai envie de dire. Relax. Location for choosing. Now let's look at these lovely girls. Ah bon, pourquoi? Relaxing. Salut Massa, bienvenue à toi. Select relax from the location. Ouais, ça je l'avais pas fait déjà hein, la première fois. Il y a un tutoriel, hein, faut faire 10 actions. Ah ouais, quand même. Mais on l'avait jamais vu ça. Donc ça c'est excellent déjà. Hein. C'est sans arrêt un truc différent. Ah! Oui, quand Kuro va passer du temps avec, avec une amie. Quel petit coquinou. Alors, fais voir si... oui, on peut bouger la caméra, tout ça. Donc, faut éviter de faire ça, hein, normalement, ce que je fais maintenant, là. Même en prévenant, provenant et tout... ah ouais, quand même. Même en prévenant les... En étant prévenant, voilà, c'est ça. C'est pas moi qui ai appuyé. C'est juste pour la prendre en photo, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et je l'ai pas fait, bien joué. Mission accomplished. On va essayer de faire les 10 tutoriaux hein, dans un premier temps. Ah, c'est bien, mais le troisième, c'est quoi? Oui, donc les photos, j'ai pas compris comment ça marche. Je crois que j'ai jamais réussi à prendre ce qu'il fallait. Et peut-être que c'était le tuto, d'ailleurs. Go to bed. Et je crois que c'est limité à 14 jours. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, les gifts. Go to bed. Voilà, on va pas réfléchir, on va faire les trucs des tutos. On va essayer de comprendre dans un premier temps, parce que ça fait trois fois que je joue à ce jeu. Presque une heure et demie de DOA X3 et je connais toujours rien. Je suis un petit peu un branquignol. Et Tsumi n'est pas là. Bah ouais, et même Olex. C'est ce que je disais au début, là. Ça tombe mal, sérieux. C'est dommage, hein, il arrête pas de me le répéter. Me le requested. De me dire de le faire à chaque live, et là, il y est pas. Ils vont se suicider, hein, quand ils vont voir ça. Alors voilà, le prochain truc c'est... Ça j'ai pas compris par contre. J'attends que ça réapparaisse s'il vous plaît. Tutoriel 4 sur 10. Go to sport shop and purchase. J'espère qu'on peut le faire dans la version F2P. Hein. A swimsuit. Mais j'ai pas assez d'argent. In girl mode. Oui mais je crois qu'il faut passer en mode Auna. Hein? On pourrait pas faire un truc qu'on va regretter. C'est en mode owner, non? Sport shop. Il nous avait dit sport shop, hein, c'est ça? Lavender Town, mais on l'avait déjà fait ça, bordel de merde. Lily. Mais c'est celui de le nôtre là qu'on a. Attends, j'ai 130 000. Sur 1 500 000. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre, là? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah, pas mal. Ouais, des trucs un petit peu nuisettes, un petit peu plus robes. On avait vu ça la dernière fois, je crois me souvenir. 500 000 mais je peux pas, là, en fait. Oh. Mais en fait, je peux en acheter aucun, là. Si, il y a celui-là, là. 100 000. C'est le seul que je peux acheter. Hein. C'est dommage, c'est celui que je voulais le moins, mais bon. Ah, il y a la couleur. En bleu. On l'avait pas fait ça déjà. Comment ça, malfonction? Premium tickets. C'est bon, là, j'ai réussi, non? Have a nice day. Voilà, mission accomplished. Splendide. C'est cher, les maillots, faut farmer. En owner, tu achètes pour offrir. En girl, c'est pour la fille directe. Merde. Ok, merci pour l'info. Splendide. Donc là, je peux le donner à n'importe qui. Mais le mieux, c'est quand même de le donner à nous, quoi. Allez, à nous! View belongings. Voilà.
confirme. Oh non. Ah mais il y est plus là. C'est quoi ces conneries? Il y est que en girl mode. Et donc c'est bon, elle est Kazumi préférence like it. Ah ils ont des préférences, mais putain je savais pas, vous voyez. C'est bon, elle en est équipée là, mais j'avais dit que je le voulais en bleu. Bon, ah mais il y a plus de mission, c'est quoi ça? Bon allez, on va faire autre chose. Tiens, il y a quelque chose à la poule. Pool hopping. Ah oui, c'est ça le coup de cul. Tug of War. Bud Battle. Ah ben non. Attends, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, il y en a plein là. Alors, Bud Battle, ben comme son nom l'indique, hein, c'est assez... direct, expressif, je sais plus c'est quoi le mot, comme d'hab. Et play hopping, je peux le faire moi-même, tout seul. Qu'est-ce que c'est pool hopping et qu'est-ce que c'est tug of war, bordel? Pool hopping. Closeness plus satisfaction rate. Elles ont des préférences pour tout et la bouffe, etc. J'ai comme une envie de melon ou pastèque, ça doit être la météo. Ouais, pour se rafraîchir. Attendez, bug battle, bon c'est les coups de cul pour faire tomber l'autre à la baille. On est relativement hopping, ça veut dire c'est l'escalade, c'est ça? L'escalade. Et tug of war, qu'est-ce que c'est? You can earn large reward. C'est la course. Hopping, c'est les sauts. Ah oui, effectivement, oui, c'est ça plutôt, oui. Et tug of war, qu'est-ce que c'est, bordel? Ça me dit rien, hein. Allez, on va toast, vous savez quoi? Tant pis si on l'a déjà fait. Oh, la corde! On l'avait jamais fait, ça! Ou peut-être une fois, hein. Press repeatedly pour recover. Pull rope et loosen rope. Feint. Putain, je connaissais pas ça. Eh ben si, vous voyez, finalement, on découvre des nouveaux trucs quand même. Ok. Oh là, mais quoi? Mais j'ai rien pu faire, là. Hein. Bien joué. Oula. Eh, mais j'ai rien pu faire, là. Ah si, il faut recover avec carré, je suis con. Avec croix. Oh putain, mais what? Ah ok, on s'est fait détruire, mais en beauté. On gagne quand même des trucs, mais bon. J'ai pas gagné un seul round. Encore une fois, je comprends rien comme d'habitude. Salut, Sakuragi et Aizen, bienvenue à vous. C'est du gros what the fuck quand même. Ah mais... J'ai quand même une mission là. Oh, owner level de niveau 2. Using belongings. Separate from each acheter. In the closet. Put away. Thème sort malfonction. Putain mais il y a plein de trucs là. Eh oh, il y avait pas ça la dernière fois là. C'est étonnant qu'il y ait une mise à jour comme par hasard aujourd'hui, alors que j'ai décidé de le refaire. Open your belonging and wear them si suite dessus. Une girl mode. Putain, je crève de chaud, j'aurais pas dû m'a... Bah ouais, c'est ce que je voulais faire la dernière fois, là. Hein? Oula. Oui, c'est vrai qu'on peut changer la coupe de cheveux et tout. Ah, mais c'est ça le gift, là. Ah ben voilà, c'est comme ça qu'on les ouvre. Qu'est-ce que c'est? Flying disc? C'est pour jouer au frisbee, ça. Tu veux jouer au frisbee? Bah ouais, mais c'est bien, mais comment? Comment je m'en équipe? Attends. Est-ce que par hasard, il serait là, l'autre? Oh putain, il y en a 42 pages. Hallucinant. Bah non. Il va pas les mettre dans des trucs random comme ça, c'est pas logique. Bon. C'est bizarre, franchement. J'arrive pas à m'équiper. Wear swimsuit. S'il faut, j'ai acheté le même. Hein, et elle peut pas s'en équiper. Hein, vu qu'elle l'a déjà. Et en owner, y a que dalle. Ah si, voilà, c'est ça. Ok, confirme. Open. Ah, mais c'est le même, putain. Mais non, pas discard. Oh bah, il a disparu, maintenant. Loul. New West. Mais pas discard, bordel. À mon avis, je pense que maintenant, il devrait être apparu dans le girl mode.
Ouais, on l'avait déjà, je crois. Putain, c'est débile, franchement. Bon, tant pis, c'est pas grave, on le fait pas. Tranquilly, hein. Rock climbing et beach volley et beach flag. Avec Kokoro. On peut mettre le mot enlevé histoire de voir si c'est pas comme les Ursuites Larry. Ouais, c'est ça. Le frisbee, faut l'acheter en honneur et lui offrir pour augmenter l'affection. Ok. Merci pour le follow, Matisse972. Bienvenue à toi. Oui, ça, je connais. On va gagner, je pense. Si c'est pas trop compliqué. T'es sûr que c'est avec la touche croix? Voilà. Nickel. Ouais, c'est rond pour sauter. Give up. Ready. 3, 2, 1, c'est ça? Oh, pas mal. Ah ouais, quand même. On a rarement été aussi bon, j'ai envie de dire. Et maintenant, prends sa saloperie. Ouais, ben là, cette fois-ci, pour une fois, c'est nous qui avons... Mais c'est normal. C'est celui que je préfère, celui-là. Ça augmente l'affection des deux. Et non pas R2 des deux. Ah, le 5, malheureusement, on pourra pas le faire. C'est déjà le soir. Rock climbing, beach volley. Et beach flag. Bah, c'est pas ce qu'on vient de faire, là, beach flag. Mais c'est dommage, il y a que beach flag et beach volley. Pool. Ah, Onoka, splendide. Mais putain, pourquoi je peux pas ask Onoka to be my partner, là? Ah si, voilà. Je préfère. Ouais, mais elle va pas accepter, putain, faut voir. Ah, mais c'est bizarre, là, ils sont pas si énormes que ça. C'est quoi que... What should I do? Accepter. Comme dans Nicky Larson. If you want me, you got me. Ah, c'est énorme. Yuleshi. Quoi? Comment ça, you have split? Banana split, j'en ai foutu partout, c'est ça? I better get back to the hotel. Ah, mais ça m'a coûté un jour. Shit. No match for me. Splendide. Bon, ben... Dodo, hein. C'est quand même bizarre que j'ai pas ma sauvegarde, hein. Parce que là, on a recommencé du début, hein, pour info. Et non pas pour ninfo. Allez, go to bed. C'est bon, j'ai compris les cadeaux, je sais comment ça marche, hein, maintenant, ça. Et non pas mi-cadeau. Comme ça, ça... C'est mieux, là. Excellent. Mais est-ce que je peux changer ces fringues à elle, là? Poulu! Fais voir. Et non pas à poil. Je suis sûr qu'il y a un truc que j'ai pas compris là-dedans, là. C'est pour ça que je me suis tâté pour avoir la version... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Relax, hôtel menu, bilan... Ah, c'est le tuto! C'est les tutoriaux. Giving swimsuit as gift. Read. Ouais, c'est ça. Et non pas Vincent Reed. Ouais, on peut les relire à partir de cet écran. Ok, ça va, je comprends de mieux en mieux, c'est énorme. Bon, elle se ressemble un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Take a photo of Kazumi playing pool hopping. Take a photo. Ah oui, c'est vrai, je suis en mode Auna. Ça, c'est pas évident quand même, hein. Pool hopping, but, tug of war. Offer gift to Onoka. Fais voir. Ouais, mais ça va augmenter l'affection. Et faut être en mode owner, c'est ça? Parce que là, c'est grisé, hein. You cannot sound if you have not pourchassé de licence! Ah bon? Pourquoi? On peut pas le faire en mode F2P, c'est ça? Marie-Rose! Allez, un petit peu de butt battle, ça fait toujours plaisir, j'ai envie de dire. Mais là, on la voit pas, là! Onoka, malheureusement. Dodge avec. Sidestep! Rond pour une strong attaque. Après avoir dodged, c'est ça? Tu peux lui en offrant le bikini. Ah ouais, quand même. Mais putain, quoi? J'ai l'impression que c'est moi qui suis allé, là. Tiens. Prends ça. Donc voilà, c'est elle, hein, Marie-Rose, encore une fois, faut voir. Ah, effectivement. Fuck. J'ai pas tout compris. Maintenant, il y a même le bas qui tombe, c'est assez énorme. Faut avoir des réflexes de fou, hein, mais c'est un petit peu du bourrinage aussi. Hein.
Bien. Tant mieux, ça, on y arrive. De toute façon, j'imagine que même dans la version complète, la version payante, qui est à 71€, après les frais de port, normalement, c'est 55 sur PlayAsia, la version boîte. Mais une fois que tu rajoutes les frais de port et les frais de douane, malheureusement, tu passes à 71€. À 55, je l'aurais pris, hein, la version boîte, mais 71, non, malheureusement. En gros, faut débloquer la fille. Ah ! Bien. Nikki Beach ! Et non pas des tranquilliens. Play Beach Flag. Momiji. Et non pas Momiji de Rock Climbing. Beach Flag, on l'a pas encore fait, hein, c'est ça. Avec Onoka, splendide. Elle est en mode easy, hein, normalement. Bon. C'est comment déjà qu'on joue? Parce que là, il me le met pas, là. C'est bizarre. Ah mais si, ça y est, je l'ai fait. Oh, quel con. C'est pas ça que je voulais faire, c'était le hopping. Ah, quel abruti. Bon, on va y aller rapidement. Ok, splendide. La pause énorme. Attention, faux départ. False start. Eh ben oui, c'est vrai. Ça nous était jamais arrivé, je crois, non? Et voilà, j'ai perdu. Non, mais c'est vrai, hein. Si t'appuies trop tôt, ça fait un faux départ. Je me demandais si c'était possible. Hey, Tsumi, bienvenue. Le principal intéressé. On a parlé 50 fois de toi depuis le début de ce live. Sauf que c'est pas de chance, il faut changer de jeu. Bon ben c'est parti les gars, non je déconne. Sauf qu'on change dans 5 minutes, et ouais, malheureusement. De toute façon je pense pas que t'aies raté grand chose, hein. J'ai passé beaucoup de temps dans les menus donc... Poulu. J'essaye de comprendre, hein, c'est pas évident. Voilà le hopping, splendide. On va encore se foirer lamentablement depuis le début... au tout début, c'est ça. On a fait une fois le volleyball, et j'ai perdu mes deux ouf. Je faisais que... Je passais le ballon à l'ennemi, c'était n'importe quoi. Je rappelle, hein, pour... le jeudi. Et ouais. Ouais, ça fait chier, quoi, ça tombe mal. Parce que c'est une semaine sur deux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est les jeux coquins, c'est une fois le jeudi et une fois l'autre jour dans 3 semaines. Donc là, ben, ça tombe un samedi. Hein, que j'ai fait ça, malheureusement. Mais ce sera pas la dernière fois que je le ferai. Hein, de toute façon. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est quand j'ai joué, il m'a pas gardé ma sauvegarde, en fait. Je croyais que c'était ce compte-là. J'ai déjà d'abord fait mon compte principal. Ça reprenait du début. Et là, pareil, donc compte Asia. Donc on a recommencé du début. Tous les jours d'Extreme 3 pour rattraper. Comment on fait, bordel? Parce qu'ils sont pas tous à la même distance, hein, regardez. Comment on fait, bordel? Je me souviens plus, là. Pourtant, la dernière fois, j'avais compris. Hein. Bon. Et elle est rapide, en plus, malheureusement. Ah, quoi? Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que... Mais quoi? Il faut laisser enfoncer? Pourquoi j'y suis arrivé, là, au début? Ah oui, là aussi, je peux bouger la caméra, c'est énorme. Mais il laisse pas assez, là, bordel. Mais j'ai pas compris, là, attendez. En fait, il faut appuyer sur le bouton sur lequel on se trouve maintenant. Voilà. Pas sur celui du prochain. Mais il faut laisser enfoncer pour faire un grand saut et un petit... Ouais, d'accord. Je crois que c'est ça. Hôtelu! Oui, donc on a fait le volleyball, ensuite on a fait quoi? On a fait relax sur le pont, ensuite on a fait 2 courses, j'en ai gagné une et j'ai fait un faux départ, lol. Hein, qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui tape à ma porte là, ça? Pas du tout là. On a changé notre partenaire, au début c'était Itomi, après on a pris Onoka, maintenant là. Go to bed in the closet. Mais j'ai pas tout compris, hein. Ils auraient pu expliquer mieux que ça, quand même. Long saut, appui long. Voilà, c'est ça. C'est ce que je pensais. Splendide. Alors, voyons voir. Pool hopping, bud battle, tug of war. Hé ! Ça, c'est pour relax, hein, on a dit. Je vais devenir un pro de... Rock climbing. Beach flag.
Beach Volley, ouais. Pff. Je vais devenir un pro de Xtreme 3 si ça continue comme ça. Beach Flag. C'est bizarre, y a pas Tug of War, là. C'est aléatoire, hein, faut croire. Pool. Pool, Nikki Beach est tranquille. Ouais, voilà, c'est là. C'est, ça dépend du lieu. Ok. Putain, mais c'est dommage, franchement. Il aurait pu y avoir beaucoup plus de choses, hein. Oui, d'ailleurs, les tests... certains tests, je sais plus si c'était celui de JVC. Non, c'était Kokoro. Oui, c'est vrai, avec les cheveux noirs. Effectivement, merci de me corriger. Ils avaient reproché que c'était trop proche du 2, en fait. Ce troisième épisode, là. Allez, je réessaye celui-là. Donc ça, c'est la corde, hein, je rappelle. Voilà. Parce que la dernière fois, je me suis pris une correction, mais de ouf. Hein. Et Onoka, ça va me motiver, tu vas voir. Parce que je pense que ça doit être ma préférée. Donc, pull Europe avec ça, faire une feinte avec ça, et recover, voilà, pour empêcher de tomber. Hein. Normalement, ça, je l'ai pas fait hein, tout à l'heure. Et je suis un non pas fait. Allez, c'est parti. Hop. Ah, merde, mais qu'est-ce que... Prends ça. Prends ça, je vais t'apprendre. Tous les deux en même temps. Oh, bien. Bon, c'est un petit peu du bourrinage, encore une fois. Mais le problème, c'est que si je fais une feinte, je vais me rétamer. Bien joué. Je vais me rétamer sur le... Mais putain. Tiens, je vais t'apprendre. Fou, c'était risqué, hein. Là, je suis allé full power. Allez, qui c'est qui va gagner? Attention. Voilà. Putain, et c'est pas évident, hein, le timing, quand même. Bien, 50 000 points. Bon, voilà, le plus gros défaut de la version F2P, c'est qu'on dirige qu'un seul personnage. T'as fait le tour, hein. Bah ouais. C'est pour ça que je voulais la version payante, hein, encore une fois. Je voulais acheter la version boîte, mais... merci pour le GG. Mais le prix m'a rebuté. Voilà, 71 €, encore une fois. Sur ça, Olex, j'aurais aimé qu'il me recommande des trucs, là. S'il connaît un endroit où c'est moins cher, pour éviter les frais de douane ou je sais pas quoi, parce que ça, c'est horrible, hein, franchement. F2P, excellent. Bon. Allez, encore un petit peu. Tranquille, hein. Allez. Beach Flag avec Onoka. C'est parti, on retente. La douane. Attention. Oui, parce que c'est 10 € de frais de douane, hein, quand même. Donc c'est croix, hein, on a dit. Attention. Allez, go, c'est parti. On va l'attendre un petit peu. Mais ça, franchement, il n'y a aucune difficulté. Mais ça dépend du mode easy. No... Énorme l'essoufflement. J'avais jamais fait attention. En mode accouchement. Excellent. Mission failed. Change into a new swimsuit. Pourquoi? C'est en temps limité. Fission mailed. Change into a new swimsuit. Ouais, mais en version F2P, c'est pas la peine. Hein. Tout ce que je mange en douane avec mes figurines. Ah ouais, quand même, tu m'étonnes. C'est le mal. C'est dommage, hein. Clay Beach volé. Relaxu. Alors, c'est comment déjà le mode photo? C'est en mode machin, on avait dit. Ah, voilà. Ouais, mais il faut zoomer, on a dit, Jackie. Je sais plus comment. Ah, mais la vue reste trop à gauche, là. Elle est loin, là, regardez, elle est excentrée. Ah, voilà, comme ça. Faut zoomer, Jackie. Turn display off. View controls. Bien d'avoir mis en pause. Move caméra avec triangle, ça est pour forward, backward. Ben voilà, c'est comme ça qu'on zoome. Ah non, c'est avec les flèches directionnelles. Z caméra R1. J'aurais dû y penser. Oula! Ah, mais qu'est-ce que... Ah, fuck! J'allais la prendre en photo, là! On avait trouvé le bon plan! Fais chier! Dommage. Fais chier. J'avais pas remarqué qu'il était aussi tard. Parce que je sais qu'il y a d'autres activités. Hein, comme le pole dance. Voilà, il y avait un mec qui s'est fait ban en faisant le pole dance avec Onoka et en ne prévenant pas, comme moi, là. En mettant pas des moins de 16 et des avertissements au début du live, là, pour entrer. Et il faisait des zooms sur les boobs, voilà. Donc il s'est fait ban, hein, le mec. Donc c'est toujours un exercice périlleux, encore une fois, DOA X3. Mais bon. Meilleur jeu au monde, la pouvoir mater sans que personne te fasse chier et te dise rien. C'est clair.
Je suis totalement d'accord. T'as fait chier ce rayon de soleil, là. Pour un rayon de soleil. Ouais, bien, les gifts. Il serait temps de les ouvrir, non? Save and quit! Ah, mais c'est ça qu'il fallait faire, en fait. Allez, cette fois-ci, je fais save and quit. Voilà! Là, maintenant, on a sauvegardé. Fais pas chier, mais normalement, il y a ça, là. Et non pas Yasha. Les monts Yasha. Ouais. Mettre à jour maintenant. Bah ouais, mais il veut pas, là. Bon, bah écoutez, on va changer de jeu, malheureusement. Mais ça n'a pas été inutile. On a appris pas mal de choses, je dois dire. Je suis bien content. Ça m'aveugle, hein, ce truc. Là, c'est Tenshinhan, la morsure du soleil, hein, j'ai envie de dire. Non! Attends, fais voir. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris, notamment pourquoi j'ai pas pu faire la désynchro audio. Dites-moi si c'est gênant, hein, dans les commentaires, si vous avez pu constater si c'était vraiment naze que je parle avant. Prêt à installer, démarrer. Voilà, ça devrait pas prendre trop de temps. Une mise à jour comme par hasard aujourd'hui, encore une fois, c'est assez hallucinant. L4 en mode brillant. Installé. Et il me démarre le jeu, là, du coup. Allez, on est reparti. Bon, ben, adieu. Putain, c'est dommage, hein, franchement. Allez, alimentation. Donc, est-ce que j'achèterai la version complète? Eh ben, j'en sais rien, parce que ça a l'air de vous faire tellement plaisir, entre guillemets. Hop. Si on veut vraiment avoir une expérience complète, eh ben, je pense que le mieux, c'est la version F2P, quoi. Parce que déjà, en mode complet, bah, ça se trouve, on est vachement limité, donc voilà, quoi. Je constate un manque de skill. Ouais, c'est clair. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. En même temps, si je gardais ma sauvegarde et que ça augmentait, de toute façon, je pense pas que les stats augmentent au fur et à mesure, donc bon. Allez, petite pause, et on se retrouve juste après. C'est parti. Bon. Alors, de machin... De Smile DK, voilà, et ça c'est le remix de DJ Mystique, hein, faut croire. Quelle est vieille cette chanson, si c'est pas la première que j'ai eue sur internet, hein. Tu vois, Steph, je ne t'ai pas oublié, contrairement à toi, j'ai envie de dire. Pas Stéphou, hein, mais Stéphanie. Non, je déconne, je suis un petit peu méchant. Quoique, allez savoir. C'est ce qu'on appelle du bubblegum techno, voilà. Donc c'est le copier-coller de Aqua, hein, vous savez, il y a Superbus, je crois, qui est comme ça. Enfin, c'est le copier-coller de Aqua, quoi. Lol. Aqua, ça a été les premiers, enfin peut-être pas, mais c'est un style très particulier. Il y a Toybox, vous savez, Inimini Manimo et Supa Dupa Man, que j'utilisais dans mes endings avec Oli, ben voilà, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. J'allais dire, qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'il est con, Kecléon. Bon, on va jouer à Tenchu. Voilà. Ah, que coucou. Vu qu'on devait le faire la semaine dernière, mais comme par hasard, j'avais oublié comme un con. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Je l'ai fait, splendide. Donc, ouais, c'est tout un bordel, quoi. Bon, est-ce qu'il y a le premier, là? C'est quoi, déjà? Style Assassin, voilà, c'est ça. Parce que chaque épisode a son sous-titre, comme d'habitude, hein. Birth of the Steel Assassin, tout ça, le 2. Comme Uncharted, hein, d'ailleurs. Uncharted Drake's Fortune, Fifth End, tout ça, là. La fameuse Oli que tu aurais aimé avoir dans ton lit. Énorme, mais plus que ça, ouais. Bon, alors, voyons voir, est-ce que... J'ai fermé le volet, hein, celui de droite, pour pas avoir le truc dans la gueule. Alors, voyons voir, est-ce que ça va aller? Ah, le temps de préparation du L4, des fois j'en ai besoin. D'avoir 2 minutes, comme là, parce qu'il faut bouger le meuble, brancher la manette, tout ça. Mais des fois, t'as même besoin de 10 secondes, hein, même tu pourrais faire pas de pause. Hey, salut, Rock Loris, bienvenue à toi! Alors... Eh bien, nickel, ça. Alors, insert CD image. Je pensais que le live débutait à 16h, vous auriez pu m'attendre. Mais ouais, au tout début c'était 16h et j'ai changé en milieu pour 15h. Maintenant c'est de 15h à 17h, hein, le samedi. Vous avez raté Dead or Alive Extreme 3. Alors, Tenchu, l'ennemi. C'est le 1, c'est pas le 2.
et non pas Spalding. Allez, Tenchu, ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Le premier sur PlayStation. Alors, t'as loupé le meilleur jeu. Ouais, c'est clair. Très mauvaise excuse. Est-ce que je vous laisse l'intro ? Ouais, mais là, je viens de la passer, non ? Ah, bravo, du con ! Ça, c'est bien joué. Mon argent ! Rendez-moi mon argent ! French. Ah, cette musique, déjà, toujours culte, hein, dans les Tenchu. Hey, salut, Bibi, bienvenue à toi ! Regarde quel jeu on fait ! C'est toujours un truc de ouf, les Tenchu. C'est vraiment un jeu qui a sa propre personnalité et qui est sorti en même temps que Metal Gear Solid. Et c'est de l'infiltration, voilà. À l'époque, les gens dans les magazines les mettaient rivaux, hein, ces deux jeux. Et évidemment que Metal Gear Solid est devenu un jeu culte, alors que Tenchu, il n'y a que quelques rares personnes qui l'ont eu à l'époque. Oui, je devais le faire la semaine dernière, mais j'avais pas l'ISO, donc on a fait un autre jeu à la place, Donkey Kong Country, qui n'est pas moins fameux, j'ai envie de dire. Alors, l'entraînement, c'est vraiment une mission à part entière, hein. L'entraînement, il faut le faire, hein. C'est une mission, comme les autres, l'entraînement. C'est pas plus facile, hein, mais nous, on va rentrer tout de suite dans le gras avec Ishigoya. Et donc, chose étonnante, les voix françaises, les doubleurs français de Tenchu sont les mêmes que dans Metal Gear Solid. Et ouais, hein, Emmanuel Bonamy, vous allez le reconnaître, je pense, hein, c'est la voix de Snake, donc c'est la voix de Rikimaru. La voix de Hayame, c'est la même que Mei Ling. C'est étonnant, quand même. J'en suis sûr. Même sans avoir vérifié. Alors, là, normalement, il y a trois catégories, il y a trois setups différents, hein, trois configurations, trois placements différents des ennemis pour chaque niveau. Il y en a une dizaine. Et il faut pas se faire repérer, il faut tuer furtivement, et c'est pas facile, voilà. Il faut être grand maître pour chaque mission, hein, pour débloquer d'autres objets, le narrateur. La puissance et le statut social en sont une autre. Nombreux sont ceux qui ont fait fortune parmi les marchands, mais leur statut est toujours inférieur... Ça frise, hein, ton truc, Alcatraz. Et même riche. Ça, c'est énorme, franchement, c'est excellent, putain. C'est un jeu qui est dans le Japon authentique, voilà, dans les années... et non pas haute en couleur, lol. Ah, on a que ça comme truc. Je prends ça pour les chiens. Je vais prendre ça pour les ennemis. Ça pour le boss. Ça. Ouais, et je peux porter que ça. Hein. 4 objets différents seulement. Et plus vous avez un grade élevé, voilà les 3 conseils au début de chaque mission. Et ben oui, les innocents, ça nous fait perdre des points, mais un truc de fou. Merde, on joue à la croix directionnelle. Ah, ça va pas me convenir, ça. Avec les musiques de fou comme d'habitude. Ils avaient repris le même dans Tenchu 3. Hein. Alors voilà. On se baisse avec la touche R1. Attention à souvent passer en vue subjective comme ça avec la touche L1. Alors c'est quel setup pour les ennemis là? Il y en a un là à gauche. Ah, il y en a un, regardez, un archer. On le voit là. J'essaie de le tuer. On peut faire des morts furtives, hein, avec des exécutions très... Il y a plein de trucs à savoir dans ce jeu, des astuces. Au niveau du gameplay, tout ça, faut voir. Oh la merde, il y en a un autre, là! Attention! Ils vont découvrir son cadavre, hein, ça va pas du tout, hein, faut pas rester là. Hein. Donc là, je l'ai tué, mais sans mort furtive, malheureusement. Dès que les ennemis voient un cadavre, ils foncent dessus. Hein. Donc ça, en bas à gauche, c'est la jauge de visibilité. Ouais, mais si je marche dans l'eau, il va... Hein? Hé, hey, toi! Non, mais fais pas peur comme ça, L4, là. Voilà, j'y vais. J'espère qu'il va pas se retourner, ce con. Là, il est sur un pont, je sais pas si je vais pouvoir l'avoir en mort furtive, je prends ça. Il faut qu'il soit parfaitement droit, hein. Il y a quelques défauts dans ce premier Tenchu, comme d'habitude. Voilà, les cerisiers en fleurs, tout ça, c'est vraiment... Ça se passe dans les années 1500, hein, normalement. 1700, je sais plus. Bon, est-ce que lui, je vais pouvoir l'avoir, là? Mais s'il est pas tout seul, il y en a d'autres avec lui, là. Malheureusement, ça ne va pas aller du tout. Sur les toits, c'est la meilleure position, hein. Faut toujours être sur les toits, hein, dans ce jeu. Enfin, je vais essayer de l'avoir en mort furtive. Des fois, sa tête, elle tombe. C'est un jeu qui est très violent. Son plus 18, il l'a pas volé. Alors, le fameux brouillard, excellent, c'est clair, qui nous empêche de voir à plus de 10 mètres. J'avais tellement torché la démo en boucle. Excellent. Merde, il y a un ennemi. Vite.
Tekika ! C'est qui m'a vu, là ? Là, il y a un chien, là. Donc, voilà pourquoi j'ai pris les kunai. Parce que les chiens, on peut pas les avoir en mort furtive, en fait. Et ils sont difficiles à atteindre, en fait. Faut se baisser et faire... Hop ! Oh merde, il y a quelqu'un qui a vu un cadavre. Donc là, ils sont en état d'alerte, hein, vous voyez, en bas à gauche, le rose. Il y a quelqu'un qui a vu un cadavre et qui a été vers lui. Donc, pour savoir lequel c'est, malheureusement... Ah, ça y est, je me suis fait repérer ! C'est fini ! On a vu le double point d'exclamation en bas à gauche. Là, c'est qui, putain ? On peut y aller en mode combat, hein, sinon on n'est pas obligé de rester en mode... Ah, c'est le chien qui m'a vu, putain. Saleté de clébard ! Fais voir. Il est juste là, hein, voilà. Bon, ouais, tant pis, j'y vais. Tant pis pour les kunai. Je vais les garder pour le boss. Parce que là, il va retourner à son point d'origine, hein, merde. Voilà, nickel. Ça marche pas trop mal comme ça, avec deux fois avant plus la touche carrée. Ça fait ce coup-là, la perçant, qui permet d'avancer un petit peu, mais... un brouillard de kryptonite, excellent. On voit les références. Oh merde! Ça, c'est un innocent, hein. La fille, une geisha. J'ai pas fait grand-chose, hein, pour l'instant. Parce que le but, c'est, pour être grand maître, il faut tuer tous les ennemis, en fait. En mort furtive, sans se faire repérer. Mais plus vous voulez en tuer, et plus vous avez de risques de vous faire voir, malheureusement. C'est à cause du 50 Hz que ça ralentit. Bah ouais, je suppose, hein. Je pense que le jeu est ralenti, hein, par la version pâle. C'est possible, hein, je pourrais pas te le dire avec certitude. Ah, putain, 70. Il y a un... Vous voyez, le chiffre augmente, hein, plus vous vous rapprochez d'un ennemi. Ça vous met le... C'est un espèce de chaud ou froid, vous voyez. Je m'éloigne, ça va baisser. Là, 70, c'est très proche, hein, je pense que c'est l'innocent. Putain, encore un kleps. C'est pas mon setup préféré, hein. Je vais essayer de l'avoir avec le kunai. J'entre en mode visé. Ah, mais je peux pas, là. Ah, merde, c'est le... Je suis con. Voilà, c'est L2 et R2 pour passer d'une arme à l'autre. Et non pas l'arme à gauche, encore une fois. Normalement, je vais le one-shot. Hein. Oh, ça fumier ! Ok, bien, le fail ! Le kunai, il est passé à côté. Hein. Il lui a passé au-dessus de la tête. Il est tombé par terre, hein. Je peux aller le ramasser. Hein. Mais les bombes, malheureusement, quand elles explosent. Alors, comment on va faire pour trouver Eshigoya ? Enfin, lui, je vais le tuer, déjà. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Merde. Prends ça. Et putain, d'où je me suis fait repérer, là, encore ? Merci pour le GG. Alors, voyons voir. Oui, on peut se mettre en mode comme ça, hein. Voilà, vous voyez. En maintenant la touche R1, je peux longer les murs comme ça. Et, merde, le chien ! Comme je faisais dans certaines de mes vidéos, lol. Alors, de quel côté il va se tourner ? Voilà, nickel. Dépêche-toi. Prends sa saloperie. Et voilà, ça c'est fait. On se rattrape un petit peu, mais autant dire qu'avec deux fois repéré, je serai pas grand maître, hein. Je serai maître ninja, je pense, hein, l'avant-dernier rang. Alors, où est la maison de Eshigoya ? Ce qui est énorme, c'est qu'il y en a au moins trois, hein, dans les Tenchu. Il y a Eshigoya Tokubei et Eshigoya Rokubei dans Tenchu Z. Et Tokubei, c'était dans le... Son fils, son cousin, ce genre de truc. Alors, comment... Comment je vais entrer là-dedans, moi. Hein ? C'est qui m'a vu, bordel ? C'est très simple, hein, vous voyez, comme jeu. Ah merde, mais il y en a deux, là ! Mais merde, il a disparu, celui de gauche, là. Oh merde ! Ils vont me repérer. Allez, mode combat, pour vous montrer. Prends ça, saloperie. Donc là, c'est tout simple, hein, Jackie. C'est la touche arrière pour se protéger. Pas fan de ce système, mais bon. Oh non ! Donc là, autant dire qu'il n'y a pas de... Deux contre un, ça va être chaud, hein. On n'est pas censé y aller en mode combat. Il y a un mode combat, mais le mieux, c'est vraiment d'y aller en... Attention. Ah, la furtif, quoi. Oh non! Heureusement que j'ai pris une potion, j'ai prévu le coup. Sinon, il y a d'autres objets que vous pouvez trouver durant vos pérégrinations, bien joué. Et je lui ai même pas coupé le bras. Des fois, ça peut arriver. Prends ça, je vais t'apprendre. Oui, donc, au niveau des Tenchu, c'est le 1 et le 2 sur PlayStation 1. Ils font chier à se protéger, putain, ça qui est le plus relou dans ces ennemis. Sinon, il y a une armure, hein, pour réduire les dégâts subis. Mais les boss, de toute façon, vous êtes obligés... Bien joué. Voilà, je vais couper le bras, vous voyez. Celui qui tenait l'arme. Vous êtes obligés de les faire en mode combat, les boss, en fait. On ne peut pas les tuer en mort furtive. Comment ça, à l'aide ? Ah, donc il est là, hein, Eshigoya. Allez, viens.
Salut Réal, bienvenue à toi. Au secours! Aidez-moi! Qui êtes-vous? Je viens venger les innocents que tu as maltraités. Voilà, ça c'est Emmanuel Bonamy, la voix du Snake encore une fois. Aidez-moi! Tu veux qu'on se tire l'oreille? C'est dommage qu'il n'y ait pas Olex. Incrusté dans la mauvaise soirée. Voilà, ça il l'avait dit la semaine dernière, hein, Olex, cette phrase-là. Là. Écarte-toi si tu ne veux pas mourir. Et ils le répéteront dans le 3. Le 3 qui n'a pas de voix française. C'est des sous-titres français. Donc ça, c'est le premier boss, hein, Jackie. Bonne chance. Surtout si tu veux épargner l'innocent qui arrête pas de courir. Prends ça! À quand un remake de Tenchu, j'ai envie de dire. Mais le 3, c'est quasiment un remake. Hein. Le 3, c'est sur PS2. Putain, la vache, il se protège jamais. Laisse quoi ces conneries? Prends ça, saloperie. Ah! Oui, la musique, c'est un truc de fou. Hein. Ils l'ont repris dans Tenchu 3. Hein. La musique des boss. Oui, passez ce vieillard libidineux. Voilà, les dialogues sont légèrement différents selon que vous jouez Ayame ou Rikimaru. Oh merde! D'où je me cogne la tête, là? Merci pour le GG, cette VF de fou furieux. Mais bizarrement, ça m'a pas gêné. Je la trouve culte. Comme quoi, c'est vraiment la preuve que si j'avais connu la VF de Metal Gear Solid à l'époque, je l'aurais également trouvé culte. Ce qui n'est pas le cas, hein, actuellement. Je me suis cogné, est-ce quoi c'est connerie? Oui, on peut faire des wall jumps hein, aussi. Pas mal de trucs à savoir. Le grappin indispensable, évidemment. Pour s'accrocher au rebord, tout ça. Là. Alors, la carte aussi. Indispensable, hein, vous voyez, il faut maintenir. Alors, normalement, c'est... Je peux me déplacer en même temps, hein, vous voyez, ça c'est excellent quand même. Mais d'où? Qui c'est qui me voit là? T'as pas compris. Alors, normalement, si je fais deux fois avant plus la touche de saut, on fait un super saut de ouf. Parce que les sauts normaux, c'est ça. Hein. Comme ça. Alors, il est dans l'un de ses entrepôts, hein, maintenant, Ishigoya. Et non pas une goyave et papaye. Voilà, là, il y en a un. Est-ce qu'il y en a un autre à côté, là? Alors... Oui, entre ça plus Project Zero, j'ai envie de dire. Alors, attention. Il y a 3 exécutions seulement dans ce premier Tenchu. Ça va sans arrêt augmenter au fur et à mesure des épisodes. Donc, 2 derrière... Voilà, c'est celle-là la plus commune. De devant, où c'est pas évident, faut arriver de devant l'ennemi sans se faire repérer, bonne chance. Et en tournant le dos à l'ennemi, c'est encore plus dur. Hein. Ça lui craque les... Merde. Attention, il arrive. Et non pas, il a rigolé encore une fois. Mais putain, pourquoi il a fait demi-tour ce con? Est-ce qu'il va se retourner là? Go, on y va. C'est comme une charted. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Ah merde! Bon ça, c'est de la merde, hein, ces ennemis. Voilà, je les ai eus en 3 coups. Les ennemis avec des arcs, ils peuvent pas se protéger. Ils peuvent pas parer les coups, hein, contrairement à tous les autres. Donc c'est de la bouse, hein, en combat. On les détruit très facilement, hein, mais ils sont chiants parce qu'ils se reculent. Alors, il est où? Ishigoyave. Je crois qu'il est à gauche. Hein. Vroom. C'est bizarre, y'a personne, là. Pas les détruire. Dans Tenchu 2, il y a énormément de... Quasiment pas de musique, malheureusement, sauf à certains moments. Alors que là, chaque stage a vraiment sa propre musique. Attends ! À l'aide ! Au secours ! Oui, la carte seulement au début. Ouais. À ton tour. Tes gardes du corps sont morts. Alors attention, il a un flingue, hein, et il fait des dégâts monstrueux avec ça. Hein. Voilà, dès que tu l'entends faire... Prends ça. Bien, La bombe. Parce que c'est pas facile de viser avec la bombe. Il est à moitié bloqué dans le décor, là. Aïe. Ouh. Ah, mais attends, je vais pas réussir à l'avoir, là. Il est keblo, là. Il attaque même plus. Attendez, je vais peut-être essayer de l'avoir avec ça, là. Il m'a perdu. Hein. Ça, là. Ah, énorme. Ça a marché. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à gauche, hein, et pas au milieu. Sinon, il se serait pris les caisses. Il ne te reste rien qu'une éternité en enfer. Et voilà. Donc, on est au service du seigneur Goda. Oh, quoi? Je suis grand maître en m'étant fait repérer 3 fois! Je crois qu'il faut avoir 400, hein. Et j'ai eu 405. Ou 300, je sais plus. Ouais, bah c'est généreux, hein. Et j'ai tué 7 ennemis sur 17. Repéré par les victimes? Comment ça? En fait, ça, c'est mal traduit. Ça veut dire tuer en mode combat. Voilà, ça veut dire ça. Hein. La mort en TP. C'est un petit peu ça, ouais. Et putain, là, je suis bien content, là, vous savez quoi? Grand maître, excellent. Donc, j'ai débloqué l'objet à gauche.
Voilà, nouvel objet que je peux utiliser maintenant. Allez, partie suivante, c'est parti. Sinon, je peux recommencer direct, hein, vous voyez. C'est pareil en niveau. C'est plus que c'était grand maître. Tu as tué François Firion. Excellent. Loi bien organisée, ah projette une attaque, c'est un petit peu ça, ouais. Territoire du seigneur Godin. Vous avez oui, seigneur Godin, c'est notre maître. Hein. On est des gentils. Si ces plans on doit punir ceux qui font des malversations, Godin, des extorsions, des traîtrises, et ce genre de trucs. Les ninjas ont des tâches variées. Ah, faut voir, c'est quoi que j'ai débloqué, là? Cela va des tâches ménagères aux assassinats. Comme dans Naruto. Vous faites par quoi? Sauf que nous, c'est toujours assassin, quoi. Après, il y a eu Fatal Shadows sur PlayStation 2, avec une nouvelle héroïne, en fait, avec Ayame aussi. Et ensuite, il y a eu des épisodes DS, PSP, et sur la Wii, malheureusement, ils ont choisi la Wii, on se demande bien pourquoi. Et c'était de la bouse, voilà. Et Bibi peut vous le confirmer, hein, on a le même avis sur... c'était quoi? C'était Shadow Assassin? Celui sur Wii. Malheureusement, il n'est pas pourri, si vous voulez, mais un petit peu quand même. Oui, c'est vrai, ça nous fait courir à donf. C'est vrai, ça nous fait traverser... En fait, c'est pas une catastrophe, c'est pas une bouse infâme, mais un petit peu quand même. Oui, ça, je l'ai même pas utilisé hein, tout à l'heure. Velvet Assassin! Bien! Respecte Firion, voyons. Excellent. Alors... Je sens le danger. Je dois faire vite. Allez, go. C'est une nuit magnifique. Tu devrais te chercher un compagnon au lieu de jouer avec une épée. Comment oses-tu? Oh putain, attention. Les ennemis sont différents à chaque stage. Ou presque. Des ninjas! Alors, le problème dans ces cas-là, c'est que... je vais toujours vous montrer que celle-là, ça qui est énorme. C'est que on peut transporter les cadavres hein, dans le 2 pour les déplacer. Mais on peut pas le faire dans le 3. Et ça, c'est l'un des défauts du 3e épisode. Parce que là, ils sont laissés à la vue de chacun. Il y a pas mal de nouveautés dans le 2. On peut nager d'ailleurs dans le 2. Parce que dans le 1, c'est instant death, hein, je crois. Quand on va dans l'eau, on crève en un coup. Hein. Un ninja! Oui, le problème quand on connaît pas, c'est de différencier les ennemis, les méchants, des innocents, quoi. Bon. C'est quand tu veux, Jackie, hein, que tu me tournes le dos. Donc il faut avoir de la patience hein, pour jouer à Tenchu. On est sans arrêt en train d'attendre, comme je le fais maintenant, qu'il me tourne le dos. Et non pas un tourne-dos, encore une fois. Ah, mais là, ça va pas aller, là. Il va jamais... Ils ont des routes bien définies. Mais il va jamais me tourner le dos, là, en fait. Faut arriver de derrière. Oh, non! Ah, là, il va pas pouvoir, là. Dès qu'il se retourne à droite, j'y vais. Bon, je vais essayer... Vu qu'il bouge pas, celui... Oh, putain. Vu qu'il bouge pas, celui-là, je vais essayer de faire la truc comme ça, là. Yes! Et voilà. Oh, merde, qu'est-ce que c'est? Putain, saleté de kunoichi, là. Je vais t'apprendre, tu vas voir. Les ennemis sont tous plus ou moins chiants, hein, en fonction de leur l'arme utilisée, tout ça. Putain, c'est dommage, j'avais fait un truc de ouf, et juste après, je me fais repérer, quoi. Elle a mal choisi son moment pour arriver. Comment ça, mauviette, prends ça. Attention. Ce qui était énorme avec le premier Tenchu, c'est le debug mode. Le debug mode, je sais pas si vous le savez. En entrant un certain code... Donc, je me souviens plus. Il y avait même le fait de pouvoir avoir Ayame à... voir les seins et les fesses de Ayame, hein. On pouvait, hein. C'était l'époque, les débuts de la 3D, tout ça, là. Quand elle porte son armure. Salut, Bérégonde, bienvenue à toi! Putain, il y a un clébard. Putain, mais arrête de te protéger, là. Personne me traite de mauviette, c'est un petit peu ça. Merde. Eh ben, là! Putain, il me fait chier ce Kleps là. Voilà, nickel. Une de moins déjà. Toi maintenant, viens la saloperie. On n'est pas à l'ami des bêtes. C'est un petit peu dommage. On n'est pas gentil avec ces chiens. Oh, mais putain, mais. Il va me tuer si ça continue comme ça. Hein. Prends ça. Mais putain, je peux pas me protéger contre ces attaques. Je récupère mon kunai, s'il vous plaît. Voilà, nickel. Pas trop tôt. On peut pas s'empêcher de fail, c'est un petit peu dommage. L4 sans les fails, qu'est-ce que ce serait, j'ai envie de dire. Alors... J'essaie de me foutre ici. Vous voyez, il faut toujours prendre la blinde de potions hein, pour les boss. Parce que les boss, c'est obligatoire, hein, y en a un à chaque niveau.
Et c'est forcément du combat au corps à corps et le gameplay des... C'est qui m'a vu, là? Merde! Ouah, on voit rien avec la caméra. Les seins et les fesses pixelisés, c'est ça. C'est un petit peu ça, effectivement. Ouah. Et donc, le debug mode, eh ben, ça permet de se rajouter plein d'objets, de jouer avec plein de persos que normalement on n'est pas censé jouer, comme les boss, tout ça, mais ils ont des coûts limités. Hein. On peut jouer avec Onikage, j'avais même fait tout le jeu avec lui, je crois. Donc le boss principal. Ou presque. Alors, qui c'est qui m'a vu, là? Ouah. Attention! Ça, c'est un innocent, hein, le mec, le vieillard, là. Voilà, ok, bon. C'est bon, ils ont perdu ma trace, bien joué. Parce que en général, quand il y a un ennemi qui vous repère, eh ben, tous les ennemis sont... Ils se doutent de quelque chose, tous les ennemis sont alertés, hein. Alors, putain, 80 ! C'est qui, là ? Ah oh, merde, il y a un ennemi sur les toits, ça va être chaud. Il y en a deux, là, des ninjas verts. Donc les verts, ils ont des griffes du tigre. Et une arme qui devait être dans Tenchu 2, mais qu'on ne peut pas. Qui n'a pas été intégré, ils n'ont pas eu le temps de le faire apparemment. Ça servait de monter au... Ça pouvait monter au mur. Hein. Et en fait, on n'a jamais pu le faire dans aucun épisode. L'épreuve Onikage, excellent. Ça pourrait le faire, hein, tu sais quoi. Ah là, regardez-moi ça. C'est bon, faut y aller. Comment ça, hein? Ouah. Nickel, ça c'est vraiment bien quand même. J'ai assuré de ouf. Ah merde, mais il y en a un autre là. Ah, il m'a vu. Et ouais, il y avait lui aussi. Bien joué. Donc là, ça va être tendu du slip. Hein. J'ai plus que 25 points de vie, ça clignote en rouge. Prends sa saloperie. Ouah. Oui, il y a aussi un autre truc qu'on peut faire, c'est des combos droite-gauche. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça là. Aller-retour, droite à gauche. Oh bien, les éclats bleus. Ça veut dire que nos armes se sont entrechoquées en même temps. Bon, je vais essayer de me faire... Oh non, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Putain, non, ça va être chaud, on va se faire tuer. Oh, putain, comment je l'ai esquivé? Il faut que je me barre, hein. Qu'est-ce qu'elle fait chier avec ces mauviettes? J'essaie de prendre une potion. Attention. J'essaie de me foutre ici. Et de me baisser. Je pense que là, ils viendront pas... Oh non! Ah ben non, c'est bon, je peux nager, là, mais pas lui. Si, je peux nager, mais je peux pas aller... C'est très simple comme nage, je peux pas aller sous l'eau. Voilà, avec une jauge d'oxygène. Ok, tant mieux. Parce que là, je me voyais mort, hein. Ça aurait été un beau fail. Parfois, ça peut être bien hein, de les envoyer dans l'eau. Pour se débarrasser d'eux. Putain, mais j'arrête pas de rebondir sur ce mur, là. Pas appuyer deux fois sur la touche. Je vais attendre que ça se calme, vous savez quoi? Eh ben, monte. Yes, splendide. Au fait, il y avait eu une news, là, sur les jeux vidéo, il y a... Dernièrement, là. Ouais, le classement du top 100 de jeuxvideo.com, s'ils veulent. C'est trop tôt pour en parler, vu qu'on a que les 20 premiers. Enfin, en fait, les 20 derniers. De la 100e à la 80e place. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. On en reparlera quand on aura vu la première place. Hein. Ça arrive au fur et à mesure, donc... Les news putaclic, hein, comme d'habitude. Allez, c'est parti! Attention! Alors, est-ce qu'on va être encore grand maître? Je sais pas, j'ai des doutes, hein, quand même. J'ai des doutes sur ses qualités de chef. Allons-y! Il y en a un de l'autre côté, c'est ça? Parce que là, on a fini, hein, faut délivrer un message. Retourner auprès de notre maître, en fait. Alors là, il y en a un. Est-ce qu'il va s'arrêter au milieu? Je pense pas qu'il va me voir à cette distance. Enfin, c'est risqué. Merde, quel con! Ah, mauvais timing! Ah, je crois qu'on a aussi une attaque de derrière, non? Faut voir. Attendez, comment on fait? Ouais, voilà, c'est ça. C'est au bas plus carré. Y a pas de boss dans ce niveau. Hein. En fait, faut juste que je monte cette pente et ça y est, c'est fini. Ouais, bien, de derrière! Il peut pas se protéger. Mais si on les noie, je sais pas si ça compte comme une mort, en fait. À la 100e place, il y a Rambo The Game. Le rail shooter, ça annonce du très lourd, c'est clair. Putain, c'est abusé, quoi. 100 jeux vidéo. Et il y en a même pas 100 mieux que Rambo, ça c'est incroyable, quand même. Donc oui, déjà, effectivement, c'est du grand n'importe quoi. Oui, t'as raison de le préciser. Prends ça. Voilà. Et le combo de gauche... C'est quoi, ce... Le combo de gauche, c'est ça. Ça... Et comme ça. Et ce coup-là, il l'envoie valdinguer.
De même que celui-là. Bon, eh ben encore une mission de torcher, j'ai envie de dire. Splendide. Veuillez pardonner moi. C'est qui a ? Non, non, vous avez bien fait. Le seigneur Goda vous attend. Venez. C'est même lui qu'on retrouve en mode entraînement. Ah, oh, maître ninja seulement, on a que 320, c'est pourri. On s'est fait repérer 5 fois quand même. Ça nous enlève des points. Ouais, et seulement 5 morts furtives, c'est pourri. J'aurais largement pu rattraper hein, et devenir grand maître. Il y a des fois où c'est foutu de chez foutu. Il est relativement coulant, ce premier épisode. C'est relativement facile d'être grand maître, mais des fois t'as pas le droit de faire une erreur. Hein. C'est un petit peu relou quand même. Allez, c'est quoi ça? Bon, on change de jeu dans 10 minutes là, c'est ça? Allez, je rebranche. Et on est parti, troisième niveau. C'est quoi? C'est le poste frontière? C'est le cas, ça va être chaud. Des fois, il y a des animaux sauvages hein, qui... Ah, c'est les grottes, c'est encore pire. A été capturé au cours d'une mission secrète en territoire. Donc là, en fait, c'est Ayame hein, qui a été capturée. Elle est dans une cage. Et si on dirige Ayame, bah, c'est Rikimaru qu'on retrouve. Et voilà. Alors, le problème, c'est que... dans l'un des setups qu'on peut avoir... C'est... Putain, j'ai jamais utilisé le riz empoisonné. Faut que je vous montre comment ça marche. Ça sert à attirer les ennemis, à les envoyer où on veut. Ils se dirigent, on le lance, ils se dirigent vers lui. Et ils peuvent le bouffer et ça les stun un petit peu. Putain, il y a un ennemi dès le début, ça commence bien. C'est un vrai labyrinthe, hein, ce niveau, c'est horrible. Et dans l'un des setups, sur les trois, encore une fois, il y a un ours. Et il est... Il y a son fils dans le 3. Merde, il est derrière. Saleté de loup. Ouais, lui, là. Attention, parce qu'ils ont plus de points de vie que les chiens. Loup, l'âme de ton frère est à moi. J'essaie de le tuer, vous savez quoi? Bien joué la caméra. Oh putain, bien joué. Je l'ai eu. Mais ça compte pas comme une mort furtive, hein, je crois. Quoique, je sais pas. L'admirateur d'élite avec... Je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'arrive pas à le dire, mais... C'est Julien Lepers, voilà. Présenté par le journaliste de France 3, Limousin. Voilà, attention. Limousin Poitou-Charentes. Est-ce que c'est là? Ah, là déjà, il y a quelqu'un, là. Mais ça, c'est les mêmes ennemis que dans le premier niveau, en fait. L'ennemi. Sauf qu'ils sont habillés en violet au lieu d'être habillés en bleu, je crois. Prends ça, saloperie, je vais t'apprendre. Allez, je vais rentrer dans les grottes. C'est quoi, déjà? Alors, l'entrée, c'est laquelle? Ah ben, si, c'est facile, en fait. Faut aller en haut à droite. Il faut juste lire une map, pauvre con, là. Parce que si tu joues sans la map, à mon avis, c'est horrible. On voit bien que ce qui a le plus développé, c'est en haut à droite, là. Ah oh, merde, saleté de loup. Tout, mais pas ça, bordel. Mettez-moi des ennemis normaux, là, que je puisse achever comme il faut. Eh ben, j'en sais rien. Je crois qu'il y en a une dizaine, hein, des niveaux, mais je pourrais pas te dire avec certitude. Allez, faut aller un petit peu à droite. Je pourrais pas te le dire vraiment le chiffre précis, quoi. C'est clair, net et précis. Attention! Ah, mais c'est là où il y avait le loup. Là, c'est sûr que... Où est-ce qu'il est, l'ennemi? Il est là. Des fois, on peut voir à travers les murs, hein. C'est un petit peu un cheat, mais bon. On le voit à peine. Hein. Ouais, c'est là. Il s'éloigne. Hein. Ah non! Putain, fait chier, il arrive. Cousin, éloigné. Est-ce qu'il va revenir, ce con, là? Faudrait pas qu'il se retourne au moment où le mec qui est collé à son écran prend sa saloperie. Ouah, c'était limite. Ouais, bien, la bombe. 55, le prochain, c'est bien prêt, quand même. On peut jamais... Oh, quoi? D'où? Et toi? Prends ça. Je vais lui balancer une fumigène. Ouais, sauf que ça a servi à rien. Oh, voilà, c'est bon. Moi, je suis immunisé, ça qui est bien. Oh, ça, c'est le prix. Les ennemis seront de plus en plus résistants hein, au fur et à mesure du truc. Là, on peut les tuer assez facilement, mais à la fin du jeu, ils auront plus de points de vie que nous. Incroyable. Hein. Bon, je vais attendre que ça se calme un petit peu. Ouais, c'est par là, je reconnais. À partir de maintenant, ça me dit quelque chose. Ah, merde, attention aux trous. Hein. Les trous, ça pardonne pas. Hein. Là, je crève hein, si je tombe là-dedans, donc... Essayons de pas crever comme une merde. Faut pas se foirer avec les sauts, c'est pas évident. Alors là, il y a un ennemi. Voilà, je le savais hein, qu'il y avait un ennemi ici. Vu le vin, là, en bas à gauche. On apprend à jauger les...
Ah, fuck! Les distances. Les prisons. C'est bizarre, c'est pas là où je pensais, en fait. Oh, il lui reste un point de vie, relou. Parfois, ça peut être une bonne stratégie, hein, de faire ça. Tu le tapes, tu vois qu'il se protège, t'attends, tu le tapes. Tu spams ça, là, en fait. T'attends une seconde, tu fais ça. Voilà. Alors, où est-ce que... Ah, c'est ça, ça, et c'est là. Mais fuck, d'où il m'a vu, ce connard? Voilà, peut-être, si j'attends, ça va aller, là. Change de jeu dans 3 minutes, hein, Jackie. Est-ce que là, il va faire... énorme. Allez, dégage, saloperie. Allez, je remonte. Et maintenant, prends ça, fumier. Que des trucs à savoir, hein, dans Tenchu. C'est un petit peu pourri, quand même, ce défaut d'intelligence artificielle, mais bon. Là, ce qui est con, c'est qu'il peut y en avoir dans les alcôves. Là, c'est chaud, quand même. On va se faire repérer, je pense. Là, j'y vais. Et voilà, ça y est, il m'a repéré, l'autre connard. Je m'en doutais, hein. Quand il y a un setup où il y a des gars dans les... Celle-là, on peut pas l'ouvrir. Et toi ? Prends ça. Tu tires sur quoi, là ? Allez ! Qu'est-ce que tu vises ? Hey, salut, Erza ! Bienvenue à toi ! Hop. Et c'est le boss, hein, bientôt. Faut voir, je vérifie quand même sur la carte. Ah ! Mais non, c'est pas là ! Eh bien, en fait, faut aller dans les alcôves. Je m'en souvenais plus. Bon, alors, est-ce qu'il est à gauche ou à droite ? Il doit être de l'autre côté, je pense. Ah, le flas, connard ! Oh, fais chier ! Bien joué, la flèche. Et maintenant, prends sa saloperie ! Fais chier, cette flèche. Là, c'est pas évident, quand même, pour ce... Il faut vraiment avoir... avoir le gameplay bien en main, j'ai envie de dire. Pour se déplacer sur ce pont, là. Parce que là, si je fais un double saut, je suis mort. Hein. Faut voir si je fais le grappin. Je pense que si je le fais ici, ça devrait aller. Voilà. Mais ça, fallait le savoir. Hein. Parce que si j'avais fait un double saut, je serais tombé dans le trou, c'est évident. J'ai pas voulu risquer. Alors... Est-ce que c'est par là? Bah non. Attendez. Il y a une potion, là. Je vais la prendre. Saleté de grotte! Vu, je l'avais pas vu. Salut, Vacuity, bienvenue à toi! Putain, merde! Oh merde, il y a un archer! Ah, ils sont deux, là. Là, je suis hors de portée, normalement. Oh bien! Comment je l'ai fait tomber? Hallucinant. Oh non! Tenchu! Ouais, t'as vu? D'ailleurs, normalement, Tenchu, c'est un... C'est une expression, j'avais vu ça dans un magazine. Oh putain, énorme! Comment je l'ai fait tomber? Qui veut dire... pas va au diable, mais... Quand on se bat... Oh putain, mais c'est pas possible! On n'arrête pas de se faire opérer à la chaîne, là! Ça va être de pire en pire! On a été grand maître, ensuite maître ninja, et là, on va être voyou! Voyou, c'est énorme! C'est le pire, hein! C'est quand vraiment on foire tout. Hein. Ah mais putain, il commence à me lourder, lui. Il fait des dégâts monstrueux. L'ennemi. Putain. Mais putain, pourquoi il a pas fait son truc de ouf? Voilà, bien joué. Nickel. Allez, je prends une potion avant le boss. On sait jamais. Et non pas Hugo Boss. Attends, t'es sûr que c'est là? Ouais, je pense que ça doit être là. Somehow, on a trouvé le bon chemin, j'ai envie de dire. Il est temps de changer de jeu. Mais non, c'est pas là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si, si, c'est par là, je crois. Oh, mais merde! Mais c'est un cul-de-sac. Comment je vais? Je suis un petit peu perdu, là, je dois bien vous l'avouer. Par là, peut-être? Parce que là, il y a un truc en haut, normalement. Non. Hé ! Ah, mais c'était pas ici, c'est pas possible ! C'était où, alors ? Ah, bah si, là, il y a un passage, là. Là, voilà. Ok, c'est ici.
toute façon, on va s'arrêter là, hein. Malheureusement, on verra pas le boss. C'est Gou, normalement. Gou ne peut plus jouer. Gou fatigué. Allez, et moi j'ai repris goût à la vie. Lol, ce niveau il est pas simple et le boss est RNG. Ouais, c'est clair. Parce que t'as une chance de tomber sur... Bah, il y a un ours avec lui. Donc c'est horrible. Parce qu'il y a un setup sur les trois où il y a un ours. Et c'est avec le boss. Hein, et même deux ours. Donc là, c'est complètement abusé, évidemment. Ça dépend de la partie, parce que ça choisit aléatoirement. Mais il y a un code pour pouvoir choisir hein, les setups. Route A, route B et route C. Allez, petite pause, et on se retrouve juste après, c'est parti. Ah. J'ai un petit peu mal au noise. Comme par hasard, hein. Aujourd'hui, j'ai le... Ah oui, il faudrait peut-être enlever ça, Jackie. Hein. Et depuis tout à l'heure, on a joué avec ça. Ouais, remarque, Tenchu, c'est un petit peu du moins 16 aussi. Hein. Et le prochain jeu, peut-être aussi, j'ai envie de dire. Mais ça, faut le virer, c'est plus la peine. Hein. Faut voir. Excellent. Bon, bah écoutez, le grand jour est arrivé, j'ai envie de dire. Ah, merde, non, mais le soleil qui... Oh. Bon, attendez. Il réapparaît. Oui, donc là, c'était Michael Jackson, hein, Come Together. Normalement, c'est les Beatles qui l'ont chanté en premier. C'est sa version, on va dire. Merde, je me cache, quel con. Mais oui, ce qui est marrant avec cette musique, c'est que... elle a été faite pour le film Moonwalker. Voilà. Et après, il l'a sorti en album. Parce qu'il y avait Sean Jones. Non, je décore. Sean Lennon, voilà. Donc le fils de John Lennon dans ce film. Il jouait l'un des gamins. Toujours avoir un saumon et du miel sur soi. Il est encore là le 16 mois. Merci, Amo. Ça fait plaisir. Bon. Et Bibi est déjà parti, malheureusement. Et bon, aujourd'hui, le grand jour est arrivé. On va reprendre Day Wish, là où on s'était arrêté la dernière fois. Je voulais laisser quelques jours. Quelques mois, même, ce serait plus logique. Mais oui, c'est vrai qu'il fallait baisser un peu plus, non? Je me souviens plus sur quel pourcentage je le mettais quand on jouait à Deikish. Ah! Widget! Et non pas Bridget Jones. Et ce qui est énorme, c'est que là, on joue à la démo 1.1. Voilà. Donc avec toutes les modifications que j'ai apportées pour vous donner une version jouable. Et là, comme Fusod, qui n'est pas là, avait dit la dernière fois que j'avais joué à ça, Andouille, tu nous dis, vous devez faire ça, c'est mieux que vous fassiez ça, mais on peut pas y jouer. Eh ben maintenant, si. Voilà, plus d'excuses, j'ai envie de dire. Allez, go! 2h41 déjà, t'es sérieux? Et là, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre compte de deux choses, deux différences que j'ai apportées à la démo et qui... Je préfère baisser quand même un petit peu le son. Ouais. Ouais, peut-être comme ça. Qui n'était pas présent au tout début quand je faisais le jeu en... mois de mars, tout ça, je sais plus, là. Ben, le premier, c'est la world map, vous voyez, en bas à droite de l'écran. Avec la croix rouge qui marque ma position en même temps de la world map, hein, j'ai repris pareil le même système, les mêmes codes, le temps de trouver quel chiffre correspondait à quelle valeur, enfin quel chiffre faisait quoi, la taille de la map, largeur, hauteur, tout ça. Et là j'ai repris, voilà. Donc il faut le désactiver quand on rentre dans une ville. Et voilà. Et l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est les arbres que j'ai foutus tout autour, là, pour baliser le chemin, hein, pour vous montrer le chemin. Et j'ai aussi tracé les rivières. C'est pas définitif, évidemment. Allez, go! On était à Dalerana, voilà. Et non pas apparemment, j'ai envie de dire. Donc, troisième ville du jeu, hein, c'est ça, après Jumoku et Smiren. Je rappelle, donc, pour ceux qui ont une mémoire d'éléphant et qui se rappellent plus, donc ça, c'est la ville des aventuriers. Voilà. Johnny, qui est toujours là, splendide. Pécho. Cette fille a Jumoku. Elle était toute de noir vêtue. Et on la connaît.
Elle était jolie, mais un peu trop bizarre, un peu trop possessive, c'est ça. Fais-moi mal, Johnny. Voilà, musique des années 60, hein, je crois. C'est un clin d'œil. Allez, à plus pour une nouvelle histoire sur mes conquêtes amis d'enfance. Clin d'œil à FF7. Hein. À un moment, le personnage qui s'appelle Johnny dans FF7, il nous appelle amis d'enfance. Alors que c'est faux, hein. Et là c'est pareil. Hein. On n'est pas son ami d'enfance, mais c'est un clin d'œil à FF7. Quoi. Comme souvent. Exclusivité Gameblog. Excellent. Effectivement. Je pense pas que j'ai beaucoup de choses à vous montrer ici. Ouais, il y avait un bug ici, hein. Merci Tsumi de m'avoir montré. Ça a été assez dépend, j'ai envie de dire. Il y avait un bug, hein. C'est ça qui m'a forcé à sortir une démo 1.1. À la place de la 1.0, ici, là, dans cet hôpital de merde. Quand vous montiez ici, et non pas Bernard Montiel, encore une fois, voilà, quand vous passiez cet escalier-là, et là, ça va le faire, c'est ça? Non. Je l'ai corrigé. Mais pour que les changements soient en compte, il faut télécharger la nouvelle version et mettre votre sauvegarde dans le dossier. Et là, vous pouvez reprendre avec la nouvelle version. Là, il y a un truc à faire. Dans l'une de ces chambres. Est-ce que c'est celle-là? Bien. T'es sûr que c'est celle-là? Faut voir. Voilà, c'est une chambre occupée. Parce que la plupart des chambres sont vides en plus. Lol. Édité par Naughty Dog. Elle va... Une infirmière. Parce que c'est normal qu'il y ait un hôpital ici. Hein. Les aventuriers, quand ils rentrent de leur mission et tout, ils sont toujours blessés. Hein, donc on les soigne ici. Mais toutes les chambres sont vides. Sauf celle-là. C'est quoi ce... Ça fait un bruit de dauphin, ce bureau. C'est assez incroyable. Je sais pas si vous allez entendre. C'est clair, on dirait le cri d'un dauphin. Alors, je vais appeler l'infirmière, mais je vais le faire qu'une fois. Faites-le le plus possible. Voilà, parce que je vous montre pas pour pas tout vous montrer non plus. Faut qu'il y ait quand même un intérêt pour vous à y jouer, lol. Voilà, elle vient une fois, deux fois, trois fois. Faites-le quatre ou cinq fois, jusqu'à ce qu'il se passe un certain événement. C'est assez drôle, ça me fait chier de pas vous le montrer, mais... voilà, on va la faire venir sans arrêt, elle va être essoufflée. Mais elle vient sans arrêt, parce qu'elle veut... on sait jamais que ce soit un malade qui ait besoin d'elle, mais c'est nous qui la faisons venir pour la faire chier, donc c'est assez drôle. Ça, c'est le guide. Voilà, de la ville. Voir, elle va nous faire visiter. Voilà, donc là, je touche à rien. Elle va nous montrer les bâtiments importants de la ville à la Pokémon. Hein. Ça vous a fait penser à ça, je suppose. C'est un petit peu ça. Pour la Zeb, sirène. Actipognon, les DLC pour les meubles. Ouais, c'est ça. Le groupe CDC. Voilà, dans le groupe... Dans FF8, il y avait le groupe CC, c'était des joueurs de cartes, c'est un clin d'œil, hein, le nom. CDC, club de chasse, ouais, un petit peu. Hein. C'est des chasseurs, c'est des mercenaires qui se sont groupés, qui ont formé un groupe, la mafia, j'ai envie de dire. Et lol, je ne pense à rien en particulier, bien sûr. Mais ils sont... c'est des teigneux, quoi, c'est vraiment des connards. Hein. Donc, il y en a un qui s'appelle Baltier, voilà, sans le H, hein. Pareil que Balfleer dans FF12, mais sans le H. Donc on prononce Baltier. Clin d'œil à mes anciennes JVTV. Oh non, ils ont tué Baltier, ces enculés. Voilà, le club de chasse, clin d'œil FF12, une fois de plus, putain. Ça en fait deux à la suite, j'ai envie de dire. Avec, vous savez, Mont Blanc, là. Le club Centurio. Ben là, c'est le club des Curios. Parce que Centurion, des Curions, tout ça... Hein. Donc c'est des contrats de chasse, mais il n'y a que le premier qui est up. Hein. Le deuxième mob, Fidil, normalement c'est un squelette dans FF12, il est pas pop. Hein. Pas la peine d'aller le chercher à la forêt maudite. Parce que c'est là où il est censé aller, ça c'est le magasin d'armes. Et ça c'est le quartier, les quartiers les plus huppés, hein, les résidents des quartiers huppés, splendide. Donc il y a ville haute, ville basse, et quartier du milieu, ici là. Et Fusotte qui est pas là, évidemment. Alors qu'on va faire la rencontre de... Oui, c'est des Richards hein, qui habitent là-dedans. Faut voir si je peux... Ah, il siffle la fille énorme. La maudite somme d'argent. Un écran noir de 280 trams. Ah, mais c'est fram, normalement, non? Parce que c'est le nombre de secondes. Acheter les objets, faut voir, j'accélère un petit peu, Jackie. Magasin d'armes et magasin d'armure. Et ça, c'est la ville basse. Donc voilà, quartier pauvre, hein, à droite. Le contraste, hein, comme d'habitude. Les miséreux.
Et donc l'hôpital, et donc voilà. Et ça, c'est la statue de quelqu'un qui s'appelle Gigax. Tu veux voir? Non, non, on va peut-être pas le refaire, là. Tu veux voir Gigax? Ouais. Donc ça, c'est un clin d'œil au fondateur de... au créateur de Donjons et Dragons, c'est ça? Ouais. Donc c'est pour les jeux de rôle, hein. Fusot nous a quittés dans son appart sur Internet. Ah, c'est vrai! Ça me dit quelque chose, effectivement. Merci de me rappeler ce souvenir. Gérard Majax. Gigax. Tant pis pour Fusob, il est en PLS. Mais ouais, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Bon, le quartier pauvre, on ira plus tard. Là, pour faire avancer le scénario, il faut aller ici, à la ville haute. Vous avez vu le riz? Ouais, ouais. Après, on va sortir un Shenmue 3 avec des visages sans expression. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais... Car c'est Before the Storm, c'est ça, c'est pas Life is Strange 2. Voilà, j'essaye de rentrer. Il faut un sauf-conduit, hein. Il faut un permis. Do you have a permit? Unless you have a permit. Si, si, j'ai voulu le télécharger, mais les serveurs sont saturés. T'as pu y jouer ou t'as regardé une vidéo sur Internet? Parce que je sais que je voulais vous en parler de ça. Hein. Donc là, il va nous refouler, hein. Il va nous dire d'aller se faire voir. Hein. C'est le garde. La plèbe n'est pas autorisée à passer ici. Oust! Pire que ce que je pourrais passer. Hein. Donc là, on revient et on fait la connaissance du troisième personnage jouable. Devinez qui c'est. Oui, c'est Fram et pas Tram. Faudra que j'aille voir ça. Oui. Devinez qui c'est, j'ai envie de dire, ce perso. En sachant que le personnage principal, bah, c'est un anti-héros. Un espèce de loser, un petit peu moi, on serait tenté de dire, un petit peu les Ursuites Larry. Et la deuxième personnage jouable, la seule fille du groupe, c'est Tsunade. Voilà. Et lui, c'est qui? Ce que des persos connus, hein, à part le principal. Bibi. Pas encore, j'ai envie de dire. Préquel. Oui, c'est disponible gratuitement en plus. Bah oui, c'est une démo faite sous Unreal Engine, c'est un remake. C'est Tomb Raider 2 Anniversary, on serait tenté de dire. Hein. C'est refait avec des nouveaux graphismes, c'est Tomb Raider 2 sur PlayStation, fait par un fan, Nico Bass. En fait, en avril, il y a eu quelqu'un qui l'a fait en stream, qui a eu l'exclusivité. Et je me suis dit, putain, mais c'est complètement con ça, et nous, c'est pour quand? Eh ben, c'est pour maintenant. Voilà, faut que j'y joue. Et c'est ça la vidéo de samedi prochain, hein, que j'avais hésité à faire en live, mais j'ai pas pu télécharger la démo, donc c'est évident qu'on pouvait pas le faire en live. Alors, personne a trouvé, là? Le gars que j'ai pu sur FFBE, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu être Sephiroth, hein. C'est vrai qu'il ressemble, mais il a pas les yeux verts. GDL installation en cours. Ben bravo, t'as réussi à le télécharger? Moi, tous les serveurs de téléchargement sont saturés. J'y arrive pas. T'as téléchargé avec Mega? Le problème est pas mal, mais ça m'étonne pas vu votre allure. Votre infortune ne me concerne pas. Ah ouais, t'es sûr? Même après avoir vu ça? Donc vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Hein. En général, quand vous voyez un perso avec 3 points d'interrogation, c'est que c'est un personnage jouable. Hein. Non, Alucard, ça aurait pu aussi. Hein. Effectivement, dans un jeu de merde, son métier doit être sorceleur. Félicitations, Soumis. Mais toi, tu le savais déjà, j'ai envie de dire. C'est Geralt de The Witcher, effectivement, sans les cicatrices. Et là, il s'appelle Gérald II. Voilà. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais dit Geralt, en insistant bien sur le T, hein, quand je vous ai parlé de... J'aimerais bien qu'on voit Geralt. Ben non, c'est Gérald II, crétin. Donc j'ai été le chercher vachement loin, le nom. Il est censé avoir... C'est vraiment pareil, hein, c'est le même univers, tout ça, chasseur de monstres. Il est plus humain. Donc voilà, Gérald. Et non pas Waldo, Géraldo, Faldo. Hop. Comme dans la vie de famille. Oui, oui, Tsumi n'aime pas The Witcher. De la merde. Ah ouais, je suis con. Pas mal la référence. Mais il y en a plein. Sans arrêt. Gérald dérive. C'est l'un des seuls persos qui a un nom de famille. Donc là, on pense un petit peu à Monsieur Derive, voilà. Dans The Witcher, il y avait un jeu de mots, c'était dans le 3, je crois, peut-être un DLC, avec Gérald de la Rive. Voilà, il y avait un mec qui avait mal prononcé son nom, et il l'avait dit comme ça. Là, dérive, dans le sens dérivé, parce qu'il arrête pas de faire le con, tout ça. Et ouais, c'était saturé, J-Downloader! T'as pu télécharger avec, mais c'est énorme! À la bonne heure, je me sens moins seul. Merci pour l'info, hein, Rock Loris. Fusob, il est à fond sur Mario, il est lapin crétin! Il a plus le temps pour nous! Abusé.
Donc là, Gérald, il va nous aider, hein. Il va sans arrêt draguer Tsuna, et les autres filles d'ailleurs. C'est vraiment un séducteur à la noix, hein. Un peu comme Johnny. Le séducteur manieré n'a aucun effet sur moi. Voilà. On peut se tutoyer. J'irai droit au but. Moi aussi, je dois aller à la ville haute. Je me fiche de ces sales aristos. Il y a un endroit là-bas où je dois me rendre. C'était dans Uncharted, ça, non? Non, c'était dans Batman Arkham. Il parlait de Bruce Wayne, ce sale aristo. Je peux nous obtenir un sauf-conduit, mais en fait, il l'a déjà. Et vous allez devoir accepter de m'aider pour tuer un monstre, donc on y va. À combien s'élève C'est pas une question d'argent, à la Nicky Larson. L'ennemi est plutôt coriace. Parce qu'il a plus de potions, en fait, pour se rendre plus puissant. Parce que les sorceleurs, là, c'est sorceurs, ils peuvent boire des potions. Ils ont subi un rituel qui font qu'ils ont perdu leur humanité. Ils vieillissent moins vite. Ils sont plus puissants, tout ça. Ils peuvent boire des potions qui sont toxiques. Pour les êtres humains, ça les tue. Mais eux, ils peuvent ça les rend plus puissants. Le type qui ne pipe pas un mot. Splendide. Bien sûr que je suis d'accord. Oui, donc du coup, je pense pas que je le ferai en live, hein, la démo de TR2. Tomb Raider 2, Dagger of Xian. Je vais vous donner le lien. Gérald rejoint l'équipe. Splendide. Un deuxième pervers dans l'équipe. Alors, c'est docs.com, hein, c'est ça. Parce que c'est Dagger of Xian. Alors, download, PC only. Il y a 6 liens de téléchargement, ils sont tous saturés, quoi, c'est n'importe quoi. Avec Mega, ça m'a fait 100%, et ça m'a mis un message d'erreur en rouge, donc... si vous arrivez à le télécharger, tant mieux pour vous. Hein. Le vin rend pas plus puissant. Excellent. Allez, go, monsieur Gérald. On y va. Un deuxième pervers dans le groupe, il a l'air plus raffiné. En apparence, en tout cas. Allez, go, on y va. Il faut retourner à la forêt maudite. Hein. C'est la forêt avec des lacs empoisonnés, là, en violet. Si vous vous rappelez... C'est juste là. C'est au deuxième écran, normalement. Il faut trouver une plante. En fait, il va tuer un échinopyre qui vient de The Witcher. Alors, voyons voir. Et vous voyez que malgré le fait que j'ai commencé avec une version non modifiée, sans la mini-map, et les arbres qui balisent le chemin, tout ça, et les rivières, ben, je peux quand même reprendre sans bug, hein, en ayant transféré ma sauvegarde. En basculer sur l'autre version. Voilà, petite cinématique comme d'hab. À quoi ressemble ce monstre que tu dois tuer? C'est une plante! Normalement, ça vit dans les marais! Très drôle. Une belle plante, comme toi. Excellent. Et les jeux de mots du L4. Et là, il va en profiter pour nous parler d'elle. Hein. C'est elle qui cherche et les mecs, ils foutent rien, c'est énorme. Elle est merveilleuse, n'est-ce pas? Alors, dis-moi ce que tu en penses. Comme d'hab, ça n'a aucune incidence, hein, ce que vous répondez, je suppose. Mario et Léa Pancrata, j'avais pu faire la démo il y a 2 mois, j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé assez simple, bizarrement. Ouais, en même temps, c'est une démo, donc... j'imagine qu'au début, c'est super simple, et après, ça va se complexifier au fur et à mesure. De toute façon, c'est un jeu qui mélange pas mal de genres, encore une fois. Vous êtes en couple, pas vrai? Donc soit vous dites oui, soit vous dites non. Si vous dites oui, il va dire, là, je vais être honnête, je vais dire non. Comme vous voulez, hein, c'est genre FF7 avec Aerys, Tifa, il y avait une question comme ça aussi. Si vous dites oui, il va dire ah ok, je vois, c'est normal, tu as de la chance, tu sais. Puisque c'est comme ça, je ne la draguerai pas. Voilà. Mais en fait, il va le faire quand même, donc c'est vraiment un enculé quand même, hein, Gérald. Non. Quoi? Mais qu'est-ce que tu attends? Tu l'as regardé un peu? Elle est méga bonne. Il l'a fait, pas qu'un peu. Donc ça, c'est le narrateur, hein, encore une fois. C'est moi, en fait, qui parle. Enfin, quoique. Plus ou moins. Qu'est-ce qu'il te faut? Lance-toi! Lance-l'eau. J'ai eu beaucoup de conquêtes. Je pourrais t'apprendre des choses. Je vais t'arranger un coup. Sauf sur comment faire durer un couple. La monogamie et les sorceurs, c'est pas compatible. Comme dans The Witcher, hein, où on multiplie les scènes de cul, tout ça. Et si tu ne l'as pas encore troussé, tu es un idiot. Voilà, il y avait, je sais plus son nom, mais c'était dans Blood and Wine, c'était le frère de l'autre, là, avec la barbe, je crois, hein, c'était un fantôme, tout ça, et il avait dit ça, hein, sur Shani,
Il avait dit cette phrase-là. Hein. Il avait dit « vous » et pas « tu ». J'ai entendu parler d'un endroit appelé Jumoku. C'est là d'où on vient, connard. Ou presque. Love Hotel. Je me demande si Tsuna apprécierait ce genre d'endroit. Elle joue les durs, mais à mon avis, elle cache son jeu. Quelle petite coquine. Faut les conditions réunies, ça doit être une sacrée coquine. Elle est du genre dominatrice, excellent. Voilà, c'est ça, hein, elle l'a trouvé, hein, la plante. C'était ce truc-là qu'on pouvait observer plus tôt en venant ici. Allez, l'amour nous appelle. Allons-y, partie à trois dans un endroit comme ça. C'est pas très romantique, la vitesse. Excellent. Il croit qu'elle veut faire une partie à trois alors qu'elle a trouvé la plante. Donc là, combat de boss. Hein. Oh, effectivement. Plus tard, les cours de botanique. Mauvais poils, et ils ont pas de poils, les plantes. Pout ! Le même cri que la chauve-souris, mais pas avec la même hauteur. Bon, ben allons-y en mode bourrin, hein, puisque de toute façon tous les boss sont pas programmés. Prends sa saloperie. Ils ont tous que 100 points de vie. Et pas d'expérience, et pas d'argent, c'est quoi ça ? C'est pas normal. Hein. Elle était bien chiante, ben elle est censée l'être, hein, avec des attaques de poison, tout ça. Mais lui, il est censé mettre en valeur ses compétences, là. Un calvaire. Donc là, en fait, il va nous expliquer que ça en fait 10 sur 10. Il en a tué 10. Celle-là, c'était la dernière. Et qu'il en a tué 9 par lui tout seul. Donc, pourquoi il a besoin de nous pour celle-là? C'est pas parce qu'elle est plus puissante, mais c'est parce qu'il a plus de potions. Voilà, pour tueur de plantes, tout ça. Donc, voilà. C'est pour ça que cette fois-ci, il a eu besoin de nous pour se la faire. GG Ez. Allez, go. Là, il faut trouver le client. Il est dans la ville basse. Il est de couleur noire, il nous a dit. Attention! Donc là, il y a des poubelles de partout, des taudis, de la tôle froissée, de la rouille, tout ça. Des murs cassés. Là, c'est le quartier des pauvres. Hein. Et il y a des elfes. Voilà, on en voit pour la première fois, là. Est-ce que des filles, bizarrement, ici? Regardez, elle. Ah, elf albinos. Ici, là. Alors, les oreilles du Face 7, là, le visage en bas à gauche, elles y sont de base, hein, dans les RTP, les ressources de base. Par contre, dans les chars 7, les caractères 7, donc le perso Overworld, là, c'est moi qui l'ai fait, les oreilles comme ça, là. Donc, j'ai modifié un petit peu le jeu. Je les ai trouvées sur Internet, hein, je crois. Et eux, ils aiment pas les humains, parce qu'ils s'arrêtent pas de se moquer d'eux et de les traiter comme de la merde, de les chasser de chez eux. C'est pas facile à dire, ça, et tout. Mais, voilà. Ça, je vais vous montrer. Et Harris. Voilà. À quoi ça vous fait penser, une fois de plus, j'ai envie de dire. Avec les fleurs. Ben, c'est Aeris. Voilà, de FF7. Hein. Même si elle ressemble plutôt à Realm de FF6, mais bon. Alors, regardez. Je vais ramasser ce coffre. Et dedans, il n'y a rien. Donc, au lieu de gagner quelque chose, on va en perdre. What? Vous avez perdu 5 giles. Et je crois que si on a 0, il nous vole une potion. Enfin, je sais plus. Et si on est à 0 G et qu'on n'a pas de potion, ben je sais pas. C'est ce qui s'appelle un piège à con. Un attrape-nigo, et vous êtes tombé dedans. Donc là, si on lui parle, ça fait rien. Mais il va nous les rendre, normalement. Par contre, si ça se passe après cette discussion, là, par contre, il vous les rendra pas. Et Harris, ça me fait penser à Mei. Lol. Voyager en groupe maintenant en sorceur. Oui, c'est des équinopires. Et voilà du jus. C'est une vraie quête de The Witcher. Hein. Trouver 10 jus d'équinopires, le premier. Donc voilà. Et là, il nous donne pas d'argent, hein, vous voyez. Je ne propose pas mes services gratuitement. Bah, sauf là, faut croire. Pour leur rendre service. Je vais pas laisser ces gens mourir quand même. Rulik. Oui, parce que dans Star Wars The Knight of the Old Republic, KOTOR, il y a un personnage qui s'appelle Rukil. Et lui, c'est Rulik. C'est un petit peu le chef, hein, le Black, là. Il y avait un Black aussi, et c'était lui le chef, mais c'était pas lui Rukil, en fait. C'était un vieillard blanc qui vivait dans des taudis comme ça. C'était une communauté de pauvres. Et il voulait trouver la Terre Promise. Ils en parlent d'ailleurs à un moment. Dans le jeu. Et donc voilà, il y a une quête par rapport à ça. Kuntar! J'ai volé ça à un andouille, il y a peu. Donc là, il va nous rendre les 5G. Non, oh, il nous a sauvés! Cette pièce me dit quelque chose.
Excellent. Et si vous ne vous êtes pas volé, bah cette scène n'a pas lieu. Toute l'intervention de Counter. Allez, allons à la ville haute maintenant. On va pouvoir passer. Putain, mais c'est pas possible, on va arrêter dans 10 minutes et on n'a rien fait là. On n'a toujours pas quitté cette ville. Ah, faut que je vous montre Mélie. Et non pas Mélie Mélo. Ouais, mais c'est pas ici là. Ouais, c'est là la tente. Ça, c'est un personnage haut en couleur, hein, Mélie. Voilà, sauvegarder, lol. Là, il y a une lettre. Au début, elle n'était pas signée. Hein. C'était une contrée lointaine. Je savais pas laquelle ça allait être. Mais là, je l'ai changée. Hein. J'ai pas changé ce texte. J'ai juste changé ça, là. Général Ketchmai. Donc, retenez bien ce nom, j'ai envie de dire. C'est un PNJ de plus tard. Hein. De très, très plus tard. Alors. Soyez les bienvenus dans le plus grand chapiteau du monde. Parce que c'est une tente. Non, attendez, je recommence. Mélie. Le clan des curieux, célèbre. Donc c'est un clan de chasse. Mais il est misérable, quoi. Il n'y a aucun membre. Il n'y a que elle. C'est une elfette, hein, je suppose. Avec ses oreilles pointues. Ça, c'est pas un personnage créé avec le générateur de perso hein, du logiciel. Ça fait partie des RTP de base, quoi. En fait, elle parle mal la langue des humains. Donc elle arrête pas d'employer des mots qui veulent dire autre chose, en fait. Vous allez voir. Elle est bonne, c'est clair. Et en plus, elle nous appelle... elle nous donne toujours des noms de légumes, c'est assez énorme. Que vous mettiez collé des oreilles pointues. Dans les RTP. Voilà, s'il y avait eu des boules de poils blanches qui ressemblent à des lapins avec une boule au-dessus de la tête, je l'aurais été. Rapport au Mog dans FF12. Hein. Mont Blanc, tout ça. Un cliché des univers héroïques fantasy, splendide. Notre monde est plutôt hostile. Ça me rend toute constipée. Attristée, elle voulait dire. J'ai encore du mal avec la langue. Donc c'est à mourir de rire, quoi, quand elle parle. L'oignon fait la force. Le clan des curieux. Et les autres guerriers me boudent. Parce qu'ils la trouvent maladroite, quoi. J'aurais plutôt dire me, je suis la seule membre du groupe. Mais pas pour longtemps, puisque vous êtes là. Avec grand plaisir, Mélie. Je vais vous faire l'amour. Elle a dit. Ça, je vais vous serrer dans mes bras, quoi. Plus, je suppose. Voilà, les contrats, c'est comme ça que ça fonctionne. Le nom du monstre, le nom du client et le lieu de là où est le client. Faut lui parler dès qu'on a tué le mob. Là, Tomate égaré, c'était le premier mob. C'était vraiment un monstre hein, dans FF12. C'était assez facile. Donc ça, c'est un clin d'œil encore. Voilà, descriptif de la quête, tout ça. Quel contrat. Une tomate farcie. Mais là, c'est pas un monstre, hein, c'est juste une tomate qui est quelque part dans la ville. Ça, c'est des trucs annexes, hein, on n'est pas obligé de le faire. Voilà, la tomate, elle est apparue ici. C'est encore une image que j'ai chopée, je sais pas où. Une tomate au beau milieu de la rue. Tu vois une autre tomate dans la ville. On est censé faire quoi, la manger? Allez, je vais lui rapporter. Donc ça, c'était pas difficile, hein, évidemment. Salut, Riku. Énorme, Amsterdam. Bienvenue à toi. Allez, go. T'as raté Extreme 3. Au niveau du chara-design, il fait étrangement penser à un personnage de Blaze Blue, je sais pas pourquoi. C'est possible, hein. Ouais, le retour de Deikish, effectivement. À partir d'aujourd'hui. Et on a fait Extreme 3 au début. Et pour la troisième fois, lol. Et Tenchu au milieu. C'est possible, hein, je vois pas... Ma tomate farcie, vous l'avez réussi. Voilà, et elle va l'enfourner. Elle s'est échappée de son assiette, c'est peut-être une tomate magique, hein, les savoir. Et elle l'a enfournée en deux bouchées. Excellent. Votre récompense. Ah oui, mais je suis bête, je n'ai pas de récompense. Voilà, Fidil, là par contre c'est une chose sérieuse, hein, mais il est pas pop. Il est censé être dans la nécropole. Niveau conseiller, 8. Ah oui, quand même. Mon bichon, énorme. Ouais, on accepte le contrat, mais bon. Faites bien attention à vous. Voilà, on peut pas guère faire grand-chose d'autre hein, avec elle. Allez, go. On continue. Ah putain, fait chier, j'aurais aimé vous montrer plein de trucs, là. Je me rends compte que... Je voulais vous poser une question, d'ailleurs, par rapport à ça. Mon visa. Et non pas Visa Smart. Et la PS Vista. Lol.
À vous les joies de la ville haute, messire. Au fait, ces deux personnes sont avec moi. Laissez-les passer eux aussi. Mais il n'y a pas de mais. Oui, on l'a fait. On a fait Extrême 3 au début. On n'a pas fait grand-chose de différent, mais bon. Voici le travail. Merci qui ? Oui, merci Gérald. Et voilà. Et maintenant, il nous l'a donné. Splendide. Maintenant, faut aller à la taverne hein, pour continuer. Donc là, il n'y a que des richards hein, ici. Vous voyez, ça tranche radicalement. C'est très joli et tout. Par rapport à la ville basse. Je voulais vraiment ce contraste, encore une fois. La plupart des bâtiments sont pas pop. Hein. On peut pas y entrer. Enfin, ils ont pas été faits. Profiterai de la rediff, splendide. Allez, sauvegardage. On a presque fini, hein, Jackie. Je vais juste... Juste terminer cette truc, cette discussion. Parce qu'après, il nous lassera un petit peu de... Oui, il y a l'occupation, hein. Les méchants, là, l'Empire Zakhar, qu'on avait vu à Bichir, Zolbeg et tout, là. L'armure violette, démoniaque. Ils ont attaqué d'autres villes hein, pendant ce temps-là. Et ils font un blocus autour de la prochaine ville. Là, c'est pour ça qu'on peut pas y aller. Il y avait des barricades, vous avez vu, à gauche. Donc là, on va la forcer hein, avec une charrette, avec un cheval. Ça va se diriger tout seul. C'est ainsi ici que nos routes se séparent. Tu abandonnerais une si jolie fille. Il faut que j'aille sur la voie. Un barde qui se met toujours dans le pétrin et un nain bourru qui m'attend. Splendide. J'ai hésité à les mettre dans le jeu. Il y a une autre perso de The Witcher qui est présente. On la verra plus tard. Un peu plus tard. Et ces deux-là, j'ai hésité à les faire. Donc c'est Dandelion, Jaskier. Et je suis rouillé en matière de The Witcher. Et le nain, là, l'ami de qui a toujours la même voix depuis le premier, c'est énorme, c'est le seul d'ailleurs, en VF. Le nain, comment il s'appelle, putain ? C'est Jaskier. C'est fou, quand même. Comment il s'appelle le nain dans The Witcher, là, l'ami de Gérald. Gérald. Tu as forcé Tsuna à faire quoi ? Splendide. Plein de trucs. Il a visé plutôt loin, bon ben adieu dans ce cas. Comment il s'appelle, bordel de merde? Et ta colère, on en parle! Là, bizarrement, ça te gêne pas de la laisser exploser. Ça pourrait arriver bientôt, ils arrêtent pas de se chamailler, c'est énorme. Les soldats, quels soldats? L'Empire de Zakhar! Ouais, ils sont assez impressionnants, ils sont beaucoup, ils prennent les villes d'assaut, on sait pas ce qu'ils veulent. Les jeunes filles des villages disparaissent. Il y a un barrage à l'ouest, on va le forcer. Bichir, donc c'est une ville marin. Une ville de pêcheurs, la prochaine. Une ville portuaire, voilà, c'est ça. Elle est occupée par l'Empire. Comme dans FF6, hein, avec... Narch ? Non. Le prochain, là, Figaro ? Non. Oui, c'est ses soldats ! Salut, Choupi, bienvenue à toi ! T'arrives pour 3 minutes, c'est assez énorme. Donc, Zara, je sais plus c'est quoi. Hein. Golbez, c'est dans FF4. Et Gebolga, c'est le nom d'une lance. Gebolg. Donc ça ressemble un petit peu à Zolbeck, tout ça, donc faut répondre ça. Mais Xaraj, je sais plus ce que c'est, hein, je sais plus d'où ça vient. Je sais plus pourquoi j'ai pris ce nom. Oui, bravo, tu as une très bonne mémoire. Cet empire Zerikania, c'est une zone dans The Witcher, normalement. C'est Zakhar. Zerikania, c'est autre chose. Splendide. Bachelor, c'est Bichir, elle arrête pas de mélanger les noms. Excellent. Bon, dès qu'on sera prêt, on parle au mec, au tavernier, et l'event va se lancer, et on pourra plus sortir de Bichir avant un moment, avant d'avoir chassé l'Empire Zakhar, donc putain, on a que 66G. Et ouais, normalement, il nous donne 50 000 balles, là. Mais nous, on n'a pas fait l'event. Bah ouais. Ma 3G est trop mauvaise, j'arrive pas à suivre. Ah merde. C'est mieux avec les rediffs. Bon bah écoutez, pause, hein. Malheureusement. Et je voulais, et ça tombe bien, je voulais vous poser une question par rapport à ça. On va se laisser là, le live est fini, lol. Et ouais, il est 17h. Je voulais vous poser une question par rapport à ceux qui ont vu mes premiers lives sur Daykish, tout ça, là. On a sauvegardé, là. Faut voir, je vérifie quand même. Est-ce que... 3h11...
Ouais, c'est bon, on est là. Ah, la serveuse, il y avait un dialogue avec Gérald. Il va essayer de la séduire. Elle s'appelle Stella, normalement, et non pas Stella Artois. C'est peut-être comme ça, pour ça que je l'ai appelée comme ça, d'ailleurs. Alors, est-ce que vous préférez, parce qu'à partir de maintenant, on va faire que du Day Wish, hein, le troisième jeu, ce sera toujours celui-là. On va faire deux jeux différents, et le troisième, ce sera toujours Day Kish. Jusqu'à ce qu'on ait fini, et ça va prendre un sacré bout de temps, hein, et ça vient de me le confirmer une fois de plus. Hein. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse une heure, donc 30 minutes pour le premier jeu, 30 minutes pour le deuxième, et une heure pour Day Wish ? Pour avancer le plus possible. Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse 3 fois 45 minutes ? Ou 3 fois 40 minutes ? C'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Hein. C'est à vous de me le dire. Extreme 3, énorme. Ouais, pour Extreme 3, ça va être problématique. Hein, si on fait qu'une demi-heure, quoique. Donc, à vous de me le dire, ce que vous préférez. Soit 2 fois 30 plus 1 heure, soit 3 fois 40, 45. C'est comme vous voulez, encore une fois. Alors, voyons voir. 30, 30, 60, c'est bien. 3 fois 45 pour préserver la diversité. Oui, parce qu'une heure de Day Wish, j'avais peur que ça vous saoule, en fait. Mais il faut qu'on avance, hein. Moi, c'est pour ça que je faisais 30, 30, 60, hein. Parce qu'on va trop vite le finir, sinon... Ah non, t'inquiète pas, hein. Moi, c'est le contraire, hein. Les deux me vont à A. Ok. Non, quand je vois qu'on passe à chaque fois une heure dans une ville... Mais c'est fou! Surtout si j'arrête pas de parler au PNJ et tout, on a déjà 3 heures et on n'a rien fait! Non, le jeu est long quand même. Donc je pense que... au pire, les jeux que j'ai fait pendant seulement 30 minutes, je les referai après. Après avoir fini Day Kish. Hein. Là, pour l'instant, on n'en voit pas le bout, clairement. C'est très long. Donc moi, je serais plus partisan de faire 30-30-60. Hein. A plus, Réal, merci d'être passé. Alors, ça m'est égal. Et merci, Riku, bonne soirée, bon week-end à vous, hein, à tous. Ah ouais, pourquoi pas. Et effectivement, ouais, ça peut être pas mal. Mais ça va être injuste de faire jeudi 3 fois 45 et samedi 30-30-60. C'est pas mal, si tu veux, mais les jeux du samedi seront plus courts que ceux du jeudi, c'est pas juste. Non, je pense qu'on va faire 30-30-60. 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Ça dépend du jeu. Des fois, j'ai remarqué que quand on arrive à 40-45, j'ai un peu de mal. Bon. Ah oui, c'est qui ceux qui le savent? Mais je pense pas qu'il y ait des gens qui soient présents, là, qui peuvent me le dire. Peut-être que si. Qui c'est qui a gagné ma clé pour la bêta de Dissidia NT dans dans le live de Bibi, là, de mercredi soir? Parce que je lui ai donné une clé, mais il l'avait déjà, donc il l'a fait gagner, normalement, dans son live de mercredi soir, là. C'est qui l'a gagné? Sinon, je la remets ici. Hein. La clé de... Ou alors, vous me le dites et je le donne en message privé. Mais de toute façon, ça s'arrête le 4 hein, septembre, normalement. Ouais, pour 2 jours, ça vaut pas le coup, quoi. Moi, je veux pas y jouer. M'en fous, quoi. De toute façon, le jeu, ça me casse tellement les couilles qu'ils ont viré tous les éléments de RPG, des épisodes PSP, qu'il y a de très faibles chances que je prenne l'épisode arcade hein, sur PS4, malheureusement. Donc, tant qu'il y a du Extreme 3 aux F, splendide. J'ai testé Dissidia et franchement, c'est pas terrible. Allez donc. Ouais, les combats à 3 contre 3, ça va être bordélique, quoi. Pas de PS4, donc c'est moi qui l'ai gagné. Ok. J'ai fait la démo, j'ai pas du tout accroché au gameplay qui rappelait les jeux sur... Ah bon ? Sur PSP. 6 persos en DLC, mort de la hype. Ouais, et en plus, il y en a pas tant que ça, hein, alors que c'était censé être l'épisode où il y en avait le plus des persos. Il y a Noctis qui va arriver, on s'en doutait. Et pourtant, j'étais hyper hypé. C'est dommage, hein, franchement. Bon, ben, je reposerai la question plus tard. Hein. Ça, faudra le dire à Olex. Je le répéterai quand il sera là. Le coup de Dead or Alive Extreme 3, hein, qui est à 71. Bon, ben, écoutez, un live de plus, hein. On va se laisser là. C'était bien, ma foi, c'était bien sympa, ma foi, comme d'habitude. Et non pas ma foi de morue. Faut croiser les doigts pour DBZ. Croiser les droits. Excellent. Ouais, c'est... On en a déjà parlé, effectivement, mais faut pas que ce soit la même chose, ouais. Avec des persos en DLC pour DBZ super, ce serait abusé, quand même.
Non, c'est des BZ Fighters, on a dit. Mais c'est vrai que j'ai vu du gameplay. Là, d'ailleurs, c'est dans la vidéo de Bibi, hein, son débrief de la Gamescom. C'est du gros what the fuck, hein. J'avais regardé aucune vidéo, je crois, sauf celui, la première, l'annonce. Donc c'était qu'une cinématique. Là, j'ai vu du gameplay. C'est... Waouh. Effectivement, ouais. Mais c'est de la 2D. Et ouais, malheureusement. Donc pour les fans de Budokai Tenkaichi, ce sera moins péchu, je suppose. Moins ça en fout plein la gueule. Avec la destruction de décors et tout, ce sera moins comme ça. Ce sera plus genre BlazBlue et tout, hein, comme d'habitude. Mais Tekken 7, c'est le best. Le best des jeux décevants, plutôt, non? Non, je déconne, j'ai pas testé, je suis pas un pro de Tekken, donc je peux pas dire. Hein. Je reste toujours avec mes jeux de baston Arc System, mais c'en est un, DBZ Fighters. C'est eux qui le font. Un live court mais intense pour Choupi, c'est clair. Ouais, je suis épaté par Bamco, qui a pas annoncé le DLC de Préco. Très déçu par Tekken 7 perso. Ah bon? C'est quoi ce bordel? Ben, c'est un jeu qui a divisé. Ouais, divisé pour mieux régner, j'ai envie de dire. Par contre, vous ne serez pas déçu de Dead or Alive. Voilà, ça comme d'habitude. Non, il y a le 5, hein, qui est dispo en free-to-play, lui aussi. Hein. Ah oui, Camille, et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Mais en fait, Choupi disait ça parce que un live court mais intense pour toi. Bon, intense, je suis même pas sûr. Parce que t'es arrivé que pour les 5 dernières minutes, quoi. Voilà, ça a été très court pour toi. Je ne m'investirai que sur un jeu de fight, ce sera DBZ Fighters. Ah ouais, quand même. Ok. Bah moi, j'attends de voir, hein. Je sais même pas s'il y aura une démo, mais bon. Bon, bah écoutez, on va se laisser là. Le jeu est bien, mais si t'es pas un gros fan du online, y a plus grand-chose à côté. Pour Tekken 7. Ouais, c'est le syndrome Street Fighter 5. C'est vrai. J'avais déjà entendu que c'était pareil que Street Fighter 5, l'équivalent, plus ou moins. J'étais pas chez moi. Ok. Bon, bah écoutez, la fin de la saga Mishima. Bof, la fin. Mais ça a l'air du gros what the fuck, quoi, l'histoire. Avec un autre membre de la famille Mishima, là, une fille, tu sais même pas d'où elle sort. J'avais juste fait Tag 2 en arcade. Putain, ça remonte, hein, PS2. Et quand j'avais touché au fameux Tekken, j'avais retrouvé les mêmes sensations que sur arcade, même si je voulais le préconise pour avoir Elisa. Montre-moi tes seins, c'est ça? Et on se demande pourquoi, hein, Erza. Erza et Elisa, c'est pour ça que tu t'es appelé comme ça, en fait. Bon, allez. Non, peut-être pas, hein. On va se laisser là, malheureusement. C'est toujours un petit peu chiant, les fins de live. T'as une vie sociale au bûcher. Excellent. Pas fou, un mode solo pauvre à souhait, c'est vrai. Bon, écoutez, merci d'être passé pour un live de plus. Rendez-vous jeudi prochain, le jeudi 7 septembre, pour le prochain live. Et donc, on verra bien ce que j'aurais prévu une fois de plus. Allez, à ciao les amis. Bon week-end. Bonne semaine et tout. Merci d'être passé à tous et bonne soirée et bon tout ce qu'il faut. Allez, à plus les amis. Non, c'était pour le perso justement. Ah bon? Du Extreme 3. Ouais, mais la prochaine fois, enfin peut-être pas la prochaine fois, mais la prochaine fois qu'on fera Extreme 3, je le ferai de jeudi. Voilà, je m'en doutais, hein, de toute façon. Mais c'est juste que là, cette semaine-là, ça tombait mal, quoi. C'est promis. Et avec un peu de chance, ce sera peut-être sur la version payante, hein, la version complète. Parce que là, c'est vrai que 4 lives sur la version F2P. Voilà, je sais pas, il faut que Olex y revienne là pour que je lui demande s'il y a moins cher ailleurs. Allez, salut les gens!